شوف لي الدياجرام قدامكم. وي هذا الدياجرام دي تاع يزيدكم تعرفوا تقراوه، معلش اسكو عندكم سيت كومبيتونس ولا لا. كيستيون مثلا لهنا قال لك كومبليتي سي لو دوكيمون ريبونس لو كرونوغرام indiquant les états successifs de cette machine, donc en fait, conclure contre le respect de l'exigence du cahier de charge. D'accord? Donc, le chronogramme, le document réponse, c'est là. Avec le chronogramme. D'accord? Chronogramme, je l'ai mis ici, j'ai essayé de préparer ça. Donc, avec. Il y a un diagramme d'état à côté où il te demande de compléter ça. Mais il faut avoir quand même des compétences pour lire ça. Est-ce que vous êtes capable de lire ça? Non. Comme là, non. Donc, voilà. Donc, l'article, il y a aussi compétences qu'il faut travailler dessus. Maïchi, un handicap, enfin, une question ici sur ce sujet. Voilà qu'en en fait, ils ont un talent qui fait une carrière ou qui fait une job des choses. D'accord. Système événement discret. Ah, on a mal la barre, ça fait mal, on a barre. Voilà que donc message qui a tout une joie de temps maintenant comme donc l'jour. On essaye donc cette année d'en sortir quoi, pour les morts n'abaisse. وزيدا نجم نشوف دونك سي بون وزيد توس لا دونك نزيد نشوف لي زونغرناج نخدم معاهم لا سمان بروشين فهمتو مزانكيتي با دونك تلقاو رواحكم تريز عليه جون سوسي بصح. Et puis voilà, donc j'estime que ça va. Les deux points, les comme choix et modélisation du contact surfacique avec frottement. Donc, je peux faire ça donc, également la séance prochaine ou la showcase avec un enregistrement. Bien. Est-ce que je peux démarrer? A priori, il y a quand même une bonne partie Hadra Tao. Donc, ma Koutoulis, est-ce que je peux faire avec vous 4 heures aujourd'hui? C'est bon? 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 مش حكيت سيونس مسيو، اما كل جمعه قاعدين نقراو برشا، كلا في الاخر باش نوصلوا تاعبين معناها حتى مش باش نستوعبوا برشا. داكور دو جو كومبرون بيان. بالنسبه لينا راهو ثم معناتها عملنا ان بون بارتي في الاس اي، معناتها سافا، هذه ماهوشي معناتها ماهوشي صعيب برشا، يعني انفان سي لا لوجيك. Donc, c'est ma logique combinatoire ou logique séquentielle, ou elle m'a dit qu'il y a lieu. Moi, je me suis dit comme Barça, ou elle est enfin, l'objectif, moi, je me suis dit comme l'objectif, je me suis dit comme. Maintenant, qui me questionne et qui a fait le même point, vous serez capable de dire où elle est. D'accord, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bien, allez, je vais vous dire, je vais vous dire. فهمتوا؟ أنا مش نبدأ بحاجة سهلة برشا تعرفوها من سكوندا لي سيستيم كومبيناتوار. شو معناتها ان سيستيم كومبيناتوار؟ ان سيستيم كومبيناتوار هو سيت ان سيستيم لوجيك. دونك اللي هو ليتا دي سورتي، هو سيستيم يبدا عنده دي زونتري ودي سورتي. لا سورتي دان سيستيم كومبيناتوار ديبون دي كومبينيزون دي زيتا دي فاريابل دونتري. Par exemple, il y a des combinaisons. Maintenant, il y a trois entrées. Il y a trois entrées. Donc, il y a l'entrée E1, l'entrée E2, l'entrée E3. Donc, quand on a un système combinatoire, on a sorti S1,
Vraiment, elle dépend de la combinaison des états des variables d'entrée. L'état de l'entrée EA peut être 0 ou 1, les états de E2 ou bien 0 ou bien 1, les états de E3 ou bien 0 ou bien 1. Vous voyez, donc là, à partir avec ces trois, je peux faire plein de combinaisons. La première combinaison, je peux prendre 0, 0, 0, comme je peux prendre 1, 1, 1. Vous voyez, deux combinaisons différentes. Et donc, en fonction de ces combinaisons, je vais voir l'état de S1. Donc S1 aussi, elle peut prendre deux états, ou bien 0 ou bien 1. Et donc l'état 0 ou bien l'état 1 dépend de combinaisons des variables d'entrée. Avec Alice, c'est un système combinatoire. D'accord? Du point de vue, donc, le système combinatoire ou bien définition d'un système combinatoire. Ben, je vais prendre un exemple quelconque. D'accord? Je vais prendre un exemple quelconque. Je vais donc, excusez-moi, je vais prendre un exemple quelconque. C'est pas basé sur un système concret. Je vais décrire le fonctionnement de ce système par une table de vérité. C'est très cruel, je pense, secondaire. Donc, une table de vérité, c'est une table donc, qui permet de, table de vérité, qui permet de lister les combinaisons possibles, toutes les combinaisons. Vous avez une combinaison, deux, trois, quatre, cinq, 6, 7, 8. Alors, le nombre de combinaisons possibles là, est égal à 2 exposant le nombre des entrées. Donc, ici, pour les entrées, j'ai donc E1, E2 et E3, donc ça fait 3. Et donc, le nombre de combinaisons est 8. Vous voyez, c'est comme ça comment je peux calculer le nombre de combinaisons. Alors, comment je vais chercher l'équation logique? Donc pour moi, donc c'est important de déterminer l'équation logique qui représente la sortie S1. On est d'accord là-dessus? Alors, donc moi j'ai essayé de remplir ça aléatoirement. Je ne me suis pas basé sur un cahier de charge ou bien une description donnée pour un système. Mais normalement, je me base sur ça. Bon, prenons ça comme ça. Donc en fait, juste pour voir donc les techniques derrière, donc pour résoudre un problème. Un système combinatoire. Alors, j'ai noté ici 1, cela veut dire quoi? Cela veut dire S1 égale l'état 1 pour cette combinaison. Vous voyez, Yanni, S1 égale l'état 1 si E1 égale 0 et E2 égale 1 et E3 égale 0. Cela, je peux traduire ça par une équation. S1 égale E1 bar et E2 bar, et E2, pardon, et E3 bar. Chaque fois, la variable à l'état 0, on note bar. La variable à l'état 1, on note la variable. Est-ce que c'est clair? Là, donc, en fait, j'ai quatre combinaisons. Et du coup, je peux écrire l'équation logique de S1 composée par quatre morceaux. Vous voyez, et chaque morceau représente une combinaison. La deuxième combinaison, c'est E1 bar E2 E3. La troisième combinaison, c'est E1 E2 bar E3 bar. Et la quatrième combinaison, c'est E1 E2 E3 bar. On est d'accord là-dessus? C'est bon. Alors, mais si vous analysez cette équation n'est pas simplifiée. Là, je n'ai pas encore parlé du système à événement discret. Hein. Ça, ce n'est pas un système à événement discret. Ça, c'est un système combinatoire. Pour chaque combinaison, je peux prédire la sortie. D'accord? Donc là, a priori, ce n'est pas simplifié. Donc, en fait, on peut faire mieux pour cette équation. On peut la simplifier en se basant sur l'algèbre de Boole. Donc, l'algèbre de Boole permet de simplifier. Donc, bon, je peux vous donner une idée sur l'algèbre de Boole. Vous voyez ici la commutativité. A et B égale B et A, A ou B égale B ou A,
l'associativité, la distributivité, l'élément neutre A ou 0 égale A, A et 0 égale 0, A ou 1 c'est égal à 1. Vous êtes d'accord avec moi sur ça? A et 1 égale à A. L'absorption, donc en fait A ou A, AB égale ici, c'est égal à A. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? A ou A égale A, est-ce que vous êtes d'accord sur ça? A et A égale à A, est-ce que vous êtes d'accord sur ça? A ou A bar égale à 1, A et A bar égale 0. C'est bon? Vraiment, ça croit, hein? Je passe? Oui, monsieur. Ben, très bien. Alors, comment je vais simplifier? Là, je peux simplifier l'équation. Donc, en fait, je prends E2, E1 bar, E2 en facteur de E3 bar plus E3, comme ça. Et ça me donne 1. E1, E3 bar ou E3, ça donne 1. L'autre, donc, je mets E1, E3 bar en facteur, ça donne un facteur de quoi? De E2 bar ou de 2. Ça me donne cette équation au bout du fil. Donc, en fait, E1 bar et E2 ou E1 et E3 bar. Voilà l'équation logique simplifiée. Donc, ça, c'est l'équation logique qui modélise le comportement de notre système combinatoire. D'accord? C'est vrai, derrière, il y a quatre combinaisons, mais on peut en fait simplifier tout ça avec cette équation. Parce que normalement, je vais passer à faire le câblage de cette équation, de cette équation qui modélise le comportement de mon système. B. Donc ça, c'est l'algèbre de Boole, j'avance. Les portes logiques. Les portes logiques, où, en fait, on peut acheter ça, hein. On va, vous trouvez ça dans des circuits intégrés. Donc, en fait, on peut acheter donc, un circuit intégré qui contient, bien évidemment, une seule porte logique. Donc, par exemple, ici, j'ai présenté quelques-unes. Donc, en fait, vous avez ici l'opérateur logique NON et OU exclusif. Alors, là, donc, en fait, c'est le symbole américain, donc le symbole norme française, européenne. Donc, vous essayez de choisir une norme pour faire le logigramme, d'accord? Il y a une seule, donc, en fait. D'habitude, moi, j'utilise ça, la norme américaine. Donc, si vous avez quelques théorèmes, donc, j'espère que vous connaissez déjà ça. Donc, en fait, les théorèmes de Morgan. Les théorèmes de Morgan, donc, vous avez la porte logique NOR. NOR, c'est NEO, NON, NON OU. Donc NEO, OR. Donc NEO, OR, c'est NON OU. C'est le complément de OU. Le complément de OU, donc en fait, ça d'habitude, OU, c'est quoi? Donc en fait, si je prends le A et B, A et B, donc A ou B, dans ça, ça. La sortie, c'est A ou B, c'est la somme. Mais si je rajoute donc ça, ce petit truc, donc en fait, du cercle, donc ça me donne le complément. Et donc là, on l'appelle NOR. Et donc, le théorème de Morgan donc, permet de faire le câblage que des circuits intégrés en utilisant que des portes logiques NOR. Donc, on dit A neo or B, A neo or B, c'est égal A ou B le tout bas. A ou B le tout bas. C'est le complément. Et lorsque je vais détruire cette barre, ça devient A bar et B bar. D'accord? Donc A ou B le tout bas, vous connaissez, je pense, ça, c'est égal A bar et B bar. D'accord? Puis, vous avez le deuxième théorème, c'est le NAND. La porte logique NAND. La porte logique NAND, c'est NEO AND. NEO AND. C'est-à-dire NON et. NON et. C'est le complément de et. Si je supprime ça, ça devient porte logique et. Donc là, la sortie S, c'est égal A et B, le tout bar. Vous voyez ça, c'est le complément de et. Et si je détruis la barre, ça devient A bar ou B bar.
Haber ou Bébar. Voilà. Bon. Voilà, finalement, j'ai fait ici le câblage. Le câblage S1 de la fonction logique que j'ai déterminée tout à l'heure avec la simplification basique de l'algèbre de Boole. Donc, je trouve S1 égale E1 bar et E2 ou E1 et E3 bar. Alors, là, j'ai l'entrée E1. Donc, je fais le complément. Là, j'ai E1 bar et E2. Ça, c'est E2. Donc, ici, ça devient. Ça, c'est E1 bar, pardon. Donc, ça, c'est E1 bar et E2. Là, donc, où E1 et E3 bar, je vais préparer ça. Ça, c'est E3 bar. Donc, ça, c'est E1. Donc, je trouve ici E1 et E3 bar. Et la sortie, donc, c'est la somme E1 et E1 bar E2 ou E1, pardon, E1 et E3 bar. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est en fait pour faire le câblage ici. Je vais acheter trois circuits intégrés. Donc là, je vais acheter trois circuits intégrés. Montage, circuit intégré. Donc, trois circuits intégrés. Je vais montrer. Je vais vous montrer ça. Donc, trois circuits intégrés. Donc, regardez ici. Alors, allez. Donc, ça, c'est un circuit intégré. Regardez. Ce sont des circuits logiques, d'accord? De portes logiques nord, par exemple, à droite et nord à gauche. Vous voyez? Donc, ça, c'est des portes logiques, des circuits logiques. Donc, en fait, lorsque j'achète ça, donc, je trouve dans le schéma d'architecture du circuit intégré de l'intérieur, c'est comme ça. Et donc, je respecte les bornes pour faire le câblage, en fait. D'accord? Bien. Maintenant, la question qui se pose, au lieu d'acheter trois circuits intégrés, donc, circuits intégrés, vous avez il faut avoir le nom. Donc, non. Vous avez aussi le et vous avez aussi le ou. Donc, y a-t-il possibilité, au lieu d'utiliser trois circuits intégrés, d'utiliser que des portes logiques nord? Des portes logiques nord. Alors, il faut transformer l'équation S1 qui est égale E1 bar et E2 ou E1, E3 bar en n'utilisant que des portes logiques néo-or. Là, le problème se pose à ce niveau, à ce point, et à ce niveau, à ce point. Ce point, c'est quoi? C'est A. Donc là, donc, il faut donc, changer ce point, cette multiplication, ce porte logique A, avec des nœuds. Alors, comment je vais faire? Donc, il faut noter que la A double barre, c'est égal à A, ça change plus rien. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre deux barres en haut. Et ici, je vais rajouter deux barres. Et normalement, la vie est belle. Pas tout à fait, mais il faut encore rajouter d'autres modifications. Alors, je vais écraser la barre qui est en dessous. Donc, en fait, ça devient E1 ou E2 barre, le tout barre, plus E1 barre ou E3, le tout bas. Maintenant, si je veux vraiment utiliser les portes logiques nord, là, je vais rencontrer un petit problème à ce niveau et je vais rencontrer peut-être un petit problème à ce niveau. Donc là, notez bien que A bar, c'est égal à ou A, le tout bas. Donc là, ça ne change plus rien. Donc pour câbler pour trouver A bar, je ne vais pas utiliser porte logique nord, mais je vais utiliser porte logique nord, c'est-à-dire A nord lui-même. Et pour résoudre ce problème à ce niveau qui est plus, c'est très simple, je vais rajouter ici deux barres en haut.
C'est bon, Hadith, mon fils, ça marche. Donc là, si je vais faire le câblage de nouveau, donc E1 ici, E2 ici, E3 ici. Donc E1 nord avec E2. E2, c'est nord lui-même. Je trouve E2 bas. Donc je vais utiliser ici porte logique nord. Voilà, j'ai fait le premier morceau. Ça marche. Puis je vais prendre E1 bar. Donc, comment je vais faire? Je peux faire comme ça. E1 bar. E1 bar, pardon. E1 bar, c'est-à-dire E1 nord lui-même. Voilà. Et nord avec E3. E3. Voilà. Oui, qu'est-ce qui reste? Maintenant, j'ai fait les deux morceaux. À gauche et à droite, il me reste les deux barres. Donc, je vais faire porte logique nord entre les deux. Nord lui-même. Et ça, c'est S1. Voilà. J'ai terminé le câblage. Et là, pour faire le câblage, donc, j'ai besoin donc de deux circuits intégré. Nord. Et je pense que c'est une optimisation quand même. Au lieu d'utiliser trois, je vais utiliser que deux circuits intégrés. Et ça marche super bien. Vous pouvez vous-même, est-ce que vous pouvez faire ça avec des portes logiques NAND? Que des portes logiques NAND. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, fille. Qu'est-ce qui ne marche pas? Schéma هيك كيفاش نرسموه C'est le circuit, logigramme هنا ما heavy. Ou فهمتش bien كيفاش logigramme heavy. Là, je me suis. Bon, on souffle finalement lorsqu'on détermine l'équation heavy. ماذا بكم تتكلموا راهو انا قولوا لي راهو قريت انا يمشي بالي هذا قريتوه راهو قبل فهمت وهو ديجا حتى السيستم اللي مش نحكي عليه سيستم ايفينمنت سكري يمشي بالي انكم قريتوه داكوردو دونك سي باش توقفوني به هذا اوني داكور سهله ليكواسيون خرجناها وزي داكور انا هنا مش نقول لك اعمل لي لوجيغرام نورمالمون من بعد جو في فير لو كابلاج لوجيغرام فهموه ولا لو كابلاج يعني انا مش عندي دي زونتري اللي هما دي سينيو مثلا الكتريك اي جو في بالطبيعه انا عندي 3 بوتون ولا 4 بوتون سي جابوي سير سو بوتون اي سو بوتون شنو يصير انسي دو سويت دونك انا اون فوا جي ديتيرميني ليكواسيون لوجيك جو في فير لو كابلاج فهمت نعمل كابلاج باش السيركوي نتاعي في بواتي ها ونجيب لي زونتري نتاعي ونكابليهم ونخرج الصورتي تمشي لللامب ولا تمشي ما نعرفش لاكسيونور الفيرا ولا الموتور ولا اللي هو اي دي كو دونك اون فيت دي كو معناتها لي كونديسيون فيريفي ليكواسيون لوجيك هذيك دونك راهو لا سورتي تكون اليتا 1 مثلا اس 1 اليتا 1 دون سي دو دون لي كاتر كومبينيزون بوسيبل فهمتي دونك انا يفو كابلي سا Si le fait, Annie, je vais utiliser l'équation brute. L'équation brute, mais je serai l'équation brute heavy. Elle est faire 4 morceaux. Ça marche, là. Je peux faire le câblage avec ça. Mais c'est compliqué. Donc, en fait, je vais gaspiller beaucoup donc, en fait, de circuits intégrés pour rien. Je peux simplifier cette équation. Donc, avec les outils disponibles, on a utilisé l'algèbre du bout pour simplifier ça. L'équation est simplifiée. Alors. Ah, là, on vous donne les circuits intégrés. Enfin, là, on vous donne les portes logiques. Les portes logiques, elles sont fort. Donc, là, je pense que vous avez utilisé avant la norme européenne. Vous avez pour la porte logique A, vous avez pour la porte logique O. D'accord? Là, je vais vous demander de faire le logigramme, le câblage. Je vais vous donner les entrées. Surtout, le logigramme, bon.
Bon, surtout qu'il y a en France, principalement, la simplification pour les concours français, tu as avec la table de vérité tout court. Pour les concours tunisiens, vous utilisez le tableau de Carnot. Je vais présenter ça après. Alors, donc, on a les entrées E1, E2, E3. Donc, je prends E1 bar, je prends comme si l'entrée réelle. J'ai besoin de E1 bar, j'utilise porte logique non. Et c'est non E1. Non E1, ça va me donner E1 bar. Non E1, ça va me donner E1 bar. C'est bon, quand tu as là. Bar, et E2, donc je vais prendre E2. Et E2, j'utilise porte logique et. Yani, comme si je ramenais cette équation mathématique. Là, qu'est-ce que j'ai? Finalement, j'ai E1 bar et E2. Voilà. Ça, c'est l'équation, le premier morceau. Mazel. Plus un deuxième morceau. Le deuxième morceau, c'est quoi? C'est E1. Je fais comme ça pour ne pas dire qu'il y a un croisement. Donc, E1 et E3 bar. E3 bar, c'est le complément de E3. Yani, en fait, E3, je vais utiliser porte logique non. Là, c'est non E3. Et donc, non E3, c'est-à-dire ici, j'ai E3 bar. Donc, puis je vais faire E parce qu'il y a E. Je vais les multiplier. En fait, c'est E1 et E3 bar. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai E1 et E3 bar. Maintenant, il y a entre les deux morceaux. Il y a un plus. Vous voyez ça? Un plus. C'est où? Je vais faire appel aux portes logiques. Où? Et donc là, c'est S1. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, c'est une écriture de l'équation sous forme d'un circuit, d'un logigramme. Et pratiquement, ce logigramme, c'est avec ça que je vais faire le câblage. Je vais faire, si on était là, donc en fait, un simulateur logique, là, vous trouvez vraiment les portes logiques devant vous et vous faites le câblage de ça. C'est bon? C'est bon. C'est bon. B. OK. Ah. Donc, je قلت لهنا قلت راهو ماهوش باهي برشا باش لهنا نستعملوا دي بورت لوجيك اتور يا ترافير. Donc, en fait, s'il y a la possibilité de tout transformer avec des portes logiques, ce qu'on appelle des portes logiques complets. Complets, yani, je peux utiliser que des portes logiques néo, or, nord, pour faire le câblage. Sauf que là, j'ai utilisé que des portes logiques nord. Attendez, voilà. Pauline, tu kiffes ça maintenant. Pardon. Alors, je vais préparer notre. Donc, j'attends. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et ça. Voilà. Bien. Là, regarde bien. Donc, j'ai cette équation. Donc, je vais utiliser que des portes logiques nord. Et ici, je vais utiliser que des portes logiques nord. Voilà. Alors, comment je vais faire? Il faut tout d'abord transformer cette équation compatible avec les portes logiques nord. D'accord? Donc, en fait, il y a S1, c'est égal E1 bar E2 et
O, E1, E3, bah. Là, donc en fait, il n'y a pas le nord. Vous voyez pas nulle part la porte logique nord. Donc là, donc en fait, j'ai un petit problème au niveau foie et foie. Et j'ai éventuellement le plus élevé, c'est la porte logique O. Il faut tout transformer. Donc il faut chercher comment remplacer ce foie avec des portes logiques nord. Alors, je vais mettre ici 2 barres. Et là, ça ne change rien. L'équation toujours est la même. Si je rajoute aussi ici 2 barres. L'idée, c'est quoi? C'est de remplacer ce foie avec plus. Parce que si je vais casser la barre en dessous, ça devient plus ici. Donc, selon le théorème de Morgan. Donc, ça devient E1, 2 barres, ou E2, barres, le tout barres. Mais E1, 2 barres, c'est E1. De l'autre côté, ça devient E1, barres, ou E3, 2 barres, le tout barres. On est d'accord? C'est bon? Elle, c'est quoi? C'est E1 ou E2 barre, le tout barre. Ou E1 barre ou E3, le tout barre. Voilà. Donc, Lena, qu'est-ce que vous remarquez? Marquez là qu'il y a la porte logique nord. La porte logique nord ici. Voilà. Mais il y a ici le barre, E2 barre. Il y a le 1, E1 barre. Et il y a ici. Nord. Bien. Donc, le problème qui se pose au niveau de E1 bar, mais E1 bar, E1 bar, hier, c'est E1 ou E1, le tout bas, parce que E1 ou E1, c'est égal E1. A ou A, c'est égal à A. Donc, vous voyez? Donc, le problème ici est résolu. Effet, c'est résolu. Donc, ça y est, je peux. Bon, reste. Par ailleurs, peut-être ici, hein, j'ai un petit problème au niveau plus ici. Pour utiliser que porte logique nord, je vais y mettre ici 2 barres. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ben, je vais essayer d'aménager un peu le truc. Je vais effacer ça. Je vais effacer ça. Ben, je vais effacer ça. Donc voilà. C'est bon. Donc je peux faire zoom ici pour mieux voir le truc. On est d'accord? Là, je peux tout faire, tout câbler avec porte logique noire. Qui fait, je vais faire ça. Donc, je vais faire le câblage ici. Je vais faire le câblage ici. Donc, je vais effacer ça. Logigramme. Alors, j'ai E1, E2, E3. Alors, vous avez, donc, je vais me baser sur cette équation. J'ai E1. E2 barre, là il y a 2 barres, c'est pas 2 barres en fait. Hein. Pas 2 barres, c'est plutôt. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais, donc j'ai E1 et E2 barre. Donc je prends E2 barre. E2 barre, je vais faire nord lui-même. Nord lui-même, là j'ai E2 bar. Donc vous voyez E2 bar, nord E1. Donc je vais utiliser porte logique nord pour faire ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme équation? J'ai E1 ou E2 bar, le tout bar. Qu'est-ce qui reste? Je vais analyser le deuxième morceau. J'ai E1 bar, je prends E1. Nord lui-même. Donc, je trouve ici E1 bar. Nord avec E3. Donc, je prends E3, donc Nord. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai E1 bar ou E3, le tout bar. Donc, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il me reste ces 2 barres. Donc, ces 2 barres, donc Nord.
Et Nord lui-même. Et là, c'est ça. Donc, si vous regardez ici, qu'est-ce qu'il y a comme équation ici? Cette équation, c'est pratiquement ce morceau, Nord avec ce morceau. Or, si je rajoute Nord lui-même, donc là, comme si j'ai S1 bar. Mais Nord lui-même, ça devient S1. Je vais rajouter une deuxième barre. C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est bon. Bon. Tiens, elle a fait l'écart, ça ne fait pas mal. Allez, Christophe. Hélène. L'écran, notez bien. L'akbal. Hélène. Ma femme. Aïe, il est câble, juste le câble, on a fait ça mal. Vas-y. لأن شو عملنا دونك اون فيت ب ب لحظة أنا لأن كيس كيس تحكي لي هذا يا ب زبي توي فاسي ب ب كله ب Mais là, on est d'accord. C'est bon, Réa. On est sur un muscle. C'est bon, l'écran. Là, c'est comme problème. On a un muscle là, au niveau de plus, rythme plus, Réa. Pas de chauffeur. Plus, Réa. On a un muscle qui s'est mal. لأنه سي لا بورت لوجيك او هاتف فيا ولا انا نحب نستعمل نو او نو او لو كومبليمون دو او معناتها انا سي جو غارد هذه كيما هكا كوم سي جو في تو كوم سي ثبت معايا مليح كوم سي يعني باش نجي لهنا هذا كله مش نحيه شوف اللوجيغرام قاعدة تشوف فيه اللوجيغرام وصلت لهنا وهمش نعمل إن معناتها حاجة غالطة معناتها مش غالطة هي لو تمارس لو مش معناتها لو غالط تمارس هم مش نكتبها في كولير آخر الأخضر نجي لهنا لا جو سوي لا جو في اتيليزي بورت لوجيك او Et ça, c'est S1. Ah, t'as fait ça, voilà. Et là, il y a une porte logique où, mais je ne sais pas. Porte logique où, je veux le remplacer par non où. Mais pour le remplacer par non où, il y a un cercle qui est une étoile où exclusive. Donc là, comment je vais le remplacer? Je vais rajouter deux barres. هو ماتيماتيك هذا راهو الجبر دو بول هو موجود في المات دونك ا دو بار كي ناخذ ا دو بار لاسكو جو راجوت دو بار سا شونج بلو ريان ليكواسيون تقعد صحيح داكوردو دونك انا كيفاش عملت فهمت سي بون فهمت دونك ديكو فوالا دونك لو بروبليم اي ريزولو دونك لهنا فوالا كيسكو جو في فير Si on installe nord ou pardon, je vais remplacer Heva par deux nord. Bon, deux matos aujourd'hui, deux matos les deux morceaux à ok. Les deux morceaux à ok. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire nord lui-même. Nanta Martin fait nord. Naqas 1, lehna mach naqas 1 ba. فهمت تاو؟ بي تاو جو في نعم ميرسي مسيو جو في اتيليزي كو دي بورت لوجيك نانت جو في اتيليزي كو دي بورت لوجيك نانت نو انت داكوردو نو انت دونك هي ليكواسيون هي هذي
نفس الشيء، مي جو في بليتو اكسكيوز مي، ان بيتي بروبليم جو. داكور، دونك جو بي با. Donc, voilà. Je vais utiliser que des portes logiques NAND. La même équation, mais je vais câbler ça avec des portes logiques NAND. D'accord? Alors, là, donc, en fait, S1 égale la même équation, mais je vais faire que des portes logiques NAND. Donc, le problème se pose où? Se pose au niveau du plus. Et là, donc, en fait, il y a un foie, mais il n'y a pas la porte logique NAND, quoi. C'est pas un non et. Donc, alors, comment je vais faire? Je vais faire tout d'abord E1 bar, E2 bar, bar. Ça, c'est E1 NAND lui-même, NAND avec E2, le tout NAND lui-même. Puis, j'ai un plus, et là, j'ai E1, E3 bar, NAND lui-même, NAND. Là, comme donc le premier morceau. Le problème maintenant réside au niveau du plus. Il faut se débarrasser de ça. Je vais rajouter 2 bars. Je vais écraser, casser la barre en dessous. Donc, je me trouve avec ça. E1 bar, E2 NAND, NAND, et E1, E3 bar, NAND, NAND, le tout bar. Donc le problème maintenant est résolu. Alors, logigramme. Alors, logigramme, j'ai E1, E2, voilà, et E3. Alors, je prends E1, NAND lui-même, j'utilise porte logique NAND. Donc là, j'ai E1 bar. Quand vous avez E1 et E1, c'est égal E1. Donc, si c'est NAND lui-même, ça devient E1 bar. Puis, NAND avec E2. NAND avec E2. Donc là, Monsieur, oui. كي بدلت البليس بالفوا غادي مش لازمك تزيد سطر فوق كل واحدة منهم. هما كانوا زوز أسطرة فوق. اي تزيد سطر واحد اخر. مسيو خلينا دو بار. لا لا، عندك هكا A و B بار بار. Si je vais casser la barre en dessous, ça devient A bar et B bar, le tout bar. اي مسيو احنا عنا كيف كيف غادي نطبقوا هذه غادي. اي كان اي عندنا شاف. زوز أسطرة فوق كل واحدة، مش وليو 3 أسطرة فوق كل واحدة. مسيو معناتها فوق ال A آه و B. صحيت، برافو. اي باهي، بارفي، باهي، تري بيان. دونك جو في، دونك فوالا. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais refaire tout ça. Votre collègue a raison. Donc, voilà. Ah, c'est bien. Donc, je reviens ici. Donc, en fait, pour cette remarque. Alors, le oui, donc je vais me faire comme ça, comme il a dit votre collègue, et il a raison. E2, donc O, E1, E3 bar. Je vais mettre ici 2 barres, donc je vais faire plutôt comme ça. Et je vais casser la barre, donc ça devient E1 bar, E2 bar, et E1, E3 bar. Comme ça, remarque à votre collègue. Et là, il me reste ça. Ça devient comme ça. Benchmark, voilà, c'est super, ça marche super bien. Donc, vous avez E1 bar, NAND, E2, voilà. Ça devient ici E1 bar,
E2 bar. Donc, je vais analyser maintenant le deuxième morceau. E3 NAND lui-même. E1, voilà. NAND avec E1, c'est ça? Donc, le NAND, voilà, on dit E1, E3 bar, le tout bar. Mabinetam, donc je vais utiliser porte logique NAND. Voilà, c'est ça. Allez, donc c'est S1. C'est bon? Comme tout, la solution avec que des portes logique NAND. Voilà. Donc le logigramme. Où est l'étude pour un système combinatoire? On dit un cahier de charge. Je vais chercher la table de vérité, puis je vais déduire l'équation, puis simplifier l'équation. Alors, mais avant de parler de ça, je vais présenter un peu les codes souvent utilisés. Vous savez, le code hexadécimal, le code décimal, donc vous avez les unités, l'unité, donc les dizaines et les centaines, tout ça. 0, 1, lorsque j'atteins 9, je vais changer 1, 0, 1, 1, 1, 2, ainsi de suite. Binaire. Binaire, si vraiment, là, je vais utiliser que des 0 ou 1. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. Alors, si je vais faire. Donc, je vais compter dans la base 5. Si je vais faire mes comptes dans la base 5. Donc, on a comme par hasard, on s'est basé dès le début, sur la base 5. Donc, je vais utiliser que 0, 1, 2, 3, 4, et c'est tout. Donc, si je compte dans la base 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui vient après 4? 10, 11, 12, 13, 14. Qu'est-ce qui vient après? 20, 21, 22, ainsi de suite. 24, on va dire que j'ai 30, 31, 32, 33, 34. On va dire que j'ai 40, 41, 42, 43, 44. Et après, ça vient donc 100. Donc voilà, donc en fait, bon. Moi, donc, ici, j'ai voulu parler plutôt de la base, le code gray. Le code gray, c'est le code binaire réfléchi. Le code binaire réfléchi, oh, en fait, c'est le code binaire. Je me base sur 0 et 1. Mais seulement, donc, en fait, la particularité du code gray, c'est qu'en passant d'une combinaison à l'autre, une seule variable qui change d'état. Vous voyez ici, 0, ça devient 1. Ici, 0, ça devient 1. 1 reste 1. Ici, 1 devient 0. Ici, 0 devient 1. Ici, donc 0 devient 1. Ici, 1 devient 0. 0, 1 devient 0. 0 devient 1. Ici, j'ai pas fait. Hein. Ici, 0 devient 1. Passe à 1. Ici, 0 devient 1, ici, 0 devient 1. Vous voyez une seule variable qui change d'état en passant d'une ligne à l'autre, donc en fait. Et ça, c'est la particularité. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Et si je reviens ici, donc, c'est. Voilà, une seule variable qui change d'état. On a les mêmes combinaisons du code binaire. C'est les mêmes combinaisons du code binaire. Seulement, l'ordre est donc modifié. D'accord? De telle sorte que nous aurons en fait ici une seule variable qui change d'état. Alors, comment trouver ça? Donc, c'est très simple. Donc, c'est le binaire réfléchi ou bien symétrique. Donc, je fais 0, 1, je mets ici une symétrie. La première symétrie. Je fais la symétrie 1 devient 1, 0 devient 0. شاب Oui. بالله الكرسور اللي بلوز الحمراء نجم تبدلها سامحني، عاود لي السؤال. الكرسور اللي بلوز الحمراء مش اللي تستعمل فيه اي
مش بالله نجم تبدله خاطر دوخني شوية. باهي جو شونج سا كولور بلو. مش زي الفورم ما نعمل تريانجل ولا لا وما الكولور وما المسافر. لا الكولور انا ما نعرفش شو يخرج لكم راه شنو يخرج لكم انا تخرج لي انا بوان ها مش الكولور اللي تكتب بها الكرسير مش يخليك بوانتور لازر خير بوانتور لازم دونك جيتيفي سا هكا بوانتور لازر سي ميو خاطر ساعات جي بزوان دو ديكري كيك شوز كومان نعرفش البوانتور جي با بيان كومبري سكي بيان دو دير سي بون تو ولات مريك هكا سي بون ولا لا؟ ايه يبدو انا مش مريقلة مي فير بليزير وكا وقلت ها؟ لا لا سافا مشات سافا مش حاضر جاي بزوان بارفوا دو نوتي كوميم باش تفهموني بون لهنا كود جري هو كي تلاحظوا لهنا اون سول فاريابل كي شونج ديتا وهذا لهنا الوش دونك جو بريبار سا باسكو جو في اوتيليزي ال جو في اوتيليزي ال لا سامبليفيكاسيون دي ايكواسيون لوجيك افيك لا ميثود دو كارنو لا ميثود دو كارنو ما نعرفش تعرفوه ولا لا نسي شنو هذا اللي نعملو فيه هذوما لي كود اللي تعرفوهم كود مثلا كود ديسيمال هذاي كود ديسيمال اي الاخراني شنو هذاي كود جري سموه كود جري هو كود بينار ريفليشي كود بينار سيمتريك هما لي ميم كومبينيزون تشوف فيهم لهنا مثلا كي تاخذ انت لا بريمير كومبينيزون 0 0 0 0 والدوزيام 0 0 0 1 الاخرى 0 0 1 0 La différence ma bien le code binaire ou code gré, c'est qu'en passant d'une ligne à la ligne suivante pour le code gré, une seule variable qui change d'état. Donc, on a les combinaisons du code binaire, où on a maintenant essayé de les réorganiser de telle manière, en passant d'une ligne à la ligne suivante, une seule variable qui change d'état. Alors, pour ce faire, donc, des symétries sont utilisées. Elle est home. La première symétrie, j'ai par exemple la 0001, donc le 00, je vais utiliser, donc a priori, donc il y a la combinaison 0000, hibida là, 0000, bah 0001, 0001, c'est la même chose. Sauf que la troisième n'est pas la même. Donc ici, pour le code binaire, c'est 0, 0, 1, 0. Là, ça devient 0, 0, 1, 1. Donc 0, 0, 1, 1, il y a la quatrième combinaison pour le code binaire. Donc cette combinaison devient la troisième pour le code gré. Allez, l'idée, c'est pour avoir une seule variable qui change d'état en passant d'une combinaison à la combinaison suivante. Comment faire? Donc, des symétries sont utilisées. Alors, les symétries, regardez bien. Monsieur Fachios, là, il y a des choses là, on va dire que je suis amené au tableau de Carnot. Là, d'abord, il y a des flèches. C'est juste pour vous dire une seule variable qui change d'état. نجي لهنا دونك شوف خذينا هذه وحطينا التري فور هذايا ريتو التري فور هذايا سي لا بريمير سيمتري دونك زيرو ان سيمتري دو ان سا ديفيان ان سيمتري دو زيرو سا ديفيان زيرو اي دونك لهنا سي جو ريكارد سو مورسو دي تابلو دونك هاد بارتي دي تابلو معناتها كاين على الكولون الاخرانية كان على الكولون الاولانية بعديك اون فوا جي تيرميني سا جو في فير سيت سيمتري
cette symétrie sur les deux colonnes. Donc, la symétrie de 0, c'est 0, la symétrie de 1, c'est 1. Puis, donc, la symétrie de 1, c'est 1, la symétrie de 1, c'est 1. Donc, ce qui fait bas 0, 1, voilà 0, 1. Bas 0, 0, donc je mets ici 0, 0. Donc, si vous analysez ça, cette partie, donc, une seule variable qui change d'état. Bas, je rajoute la symétrie suivante. C'est celle-là, la symétrie 3. Ainsi de suite, si je termine tout ça, je vais faire ici la symétrie 4. Donc, et voilà, je trouve le codegré tiré à partir du tableau du code binaire. Donc, je vais maintenant la symétrie là. Bad amène la symétrie là. Bad, on a fait la symétrie suivante ici. Monsieur, Et à la colle. Oui. Monsieur le Haq, ma femme tue. Ben. لحظة برك تنفصل في كود بينير تعرفوه الكود بينير ولا جونات يسي كود بينير دونك كود بينير هو عندي ما عندكم الأحاد شنو هو عندنا الأحاد هي دو إكسبوزون زيرو دو إكسبوزون أن دو إكسبوزون دو مثلا جو برون سا هذايا دونك الكود بينير باهي دونك انت في الكود ديسيمال تقول 10 اكسبوزون 0 10 اكسبوزون 1 10 اكسبوزون 2 لي زينيتي لي ديزان لي سنتين انسي دو سويت دونك لهنا 2 اكسبوزون 0 هي الاحاد نتاعنا دونك ان فيت في الكود بينير ماشي عندي لهنا 8 كومبينيزون 8 بونفان 8 كومبينيزون 8 فوالا Donc ici, je mets 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bas deux cases à l'état 0, deux cases à l'état 1, deux cases à l'état 0, deux cases à l'état 1. Bas quatre cases à l'état 0, deux exposons 2, puis quatre cases à l'état 1. C'est l'équivalent, le code décimal, c'est l'équivalent de quoi? De 0. C'est l'équivalent de 1. 10, c'est le code binaire, c'est l'équivalent de 2, le code décimal. C'est 1 fois 2 exposant 1 plus 0 fois 2 exposant 0. L'ENA, donc c'est 3, c'est-à-dire 1 fois 2 exposant 1 plus 1 fois 2 exposant 0. Ici, c'est 4. 100, c'est équivalent à 4, le base décimale. Donc ici, c'est 5. 6, 7. 7, c'est 2, exposant 2, ça fait 4. Plus 2 exposant 1, ça fait 6, plus 1. Donc ça fait 7. Ben, l'ENA, c'est le code binaire. Ahna, habou, nalkaou, code, nestamlou. En passant de cette ligne à la deuxième, à la ligne suivante, une seule variable qui change d'état. En passant, c'est vrai, une seule variable qui change d'état. 2 exposant 0, si je note la première variable, maintenant heavy A, heavy B ou heavy C. Donc c'est la variable A qui change d'état. Et en passant de la ligne 2 à la ligne 3, je trouve que deux variables qui changent d'état. Il y a A et B. Donc ça, c'est le code binaire. Donc ce n'est pas le code que je cherche. Donc je vais introduire des transformations, des modifications sur ce tableau de telle façon. Je vais tirer le code gré. Le code gré, c'est le code binaire. Réfléchis. D'accord?
احنا راه ماهوش كيما انا حاجتي باش جيت جانترودوي معناتها لي بروبريتي دو سو كود باسكو جو في ليتيليزي ابري دون لا ميثود دو كارنو بور سامبليفي لي ايكواسيون لوجيك ديكوردو بي لهنا كيفاش الحل؟ الحل لهنا قال واحد هو اللي هو جري هذا قال راه تيان جو في جي لا سوليسيون لا سوليسيون شنو؟ قال جو في بروندر شنو باش ناخذ؟ ناخذ قال سي تري سامبل الحكايه هاي لا سوليسيون جو في فير ان سيمتري دونك لهنا et une deuxième symétrie là donc en fait une deuxième symétrie ici donc son chiant si j'ai bidé l'arcaire donc je vais changer donc de couleur si j'ai le nom je crois là il y a le dit donc les trois colonnes donc لهنا donc c'est deux exposants plutôt je vais garder ici C B A donc je vais dire donc là donc c'est bon donc là c'est bon c'est bon là c'est bon c'est bon c'est bon ah لهنا c'est je vais garder la même chose puis je vais essayer de corriger ça avec vous pour trouver le code binaire réfléchi. Maintenant, ensemble, avec le code binaire. Ça va, là, moi, code binaire réfléchi. C'est le code binaire. J'applique les symétries. Je vais appliquer la première symétrie. Elle est ici. Donc, ici, 15-0, toile 1. À carreau. وهذه 0 لهنا تولي 0 معناتها عملت سيمتري على هذوما الزوز برك داكوردو بعد جي ابليكي هذه لا سيمتري 1 سيمتري 2 سي لا دونك جي ابليكي لا سيمتري سي دونك هنا باش تولي 0 تقعد 0 1 تولي 0 تولي هذه 1 سي بون غادي تفهم فيها ولا La méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je t'ai dit la ligne ici, 1, 1, le 0, 1, tu vois, le 1. Bad, on dit 0, 1, bad, 0, 1. Ou bad, on dit 0, 0, je vais tout remplacer 0, 0. Ben, le 1, est-ce qu'il s'agit des mêmes combinaisons? La combinaison 0, 0 existe, si je regarde ici. La combinaison 0, 0, 1 existe. La combinaison 010 existe. Voilà, la 011 existe. La combinaison 010 existe. La combinaison 110 existe. La combinaison 111 existe. La combinaison 101 existe. Et la combinaison 100 existe. Mais l'ordre, donc, a changé. Donc, où le code gris. شو ستار الثالث من الاخر علاش 1 1 ستار الاخراني ماهوش 1 هذايا الثالث من الاخر الثالث هذايا اللي تحت اي هذاك هذا اللي فيه هذا هذا ثم ديك انا ذكرت هذا الثالث من الاخر الحمر باهي انا اش عملت شوف Donc, je vais changer de couleur. Désolé, je vais utiliser la couleur rouge. Mais, c'est la combinaison heavy qui est jette. Ben, là, je vais. Ben, sauf au Kent Sneer, Kent 101. D'accord, là. كانت 1 0 1 كيك ولا 0 1 0 1 هذه 0 0 1 1 0 0 1 1 به سامنا
جينا عملنا لا سيمتري ب كنجي لهذايا سيمتري دو ان هي ان سيمتري دو زيرو هي زيرو لكن لهنا جو في بارلي دو سا الان هذه كي نعمل سيمتري بارابور ا سيت ليني سيمتري دو مش تولي هذه نيسيسيرمون تولي باهي برافو انا ما حسيتش راهو كيفاش تخرج الكود غري اون فا با فو بوزي سيت كيستيون بوتيتر دون لو كونكور تونيزيان اون فو بوز سا فهمتي لكن حاجتي بيه انه تفهموا لي بروبريتي باش نتعدي هو ديجا سكو جو في بريزونتي pour le tableau de Carnot. Hein. C'est exclusif pour le concours tunisien. Quand tu as le concours français, on a fait. D'accord. Ben, je vais expliquer un peu ben, la propriété. Là, si vous analysez ce qu'on a trouvé ici, une seule variable qui change d'état. 0 ou 1, 0, 4, 0, 0, 4, 0. Là, 1, 4, 1, mais 0, voilà 1. Donc, en fait, une seule variable qui change d'état. Là, si vous regardez ça, 0, 1, 1, en passant à la ligne suivante, c'est le 1 qui devient 0 et une seule variable qui change d'état. De même ici, une seule variable qui change d'état, une seule variable qui change d'état, une seule variable qui change d'état, une seule variable qui change d'état. Et voilà, une seule variable qui change d'état. Vous voyez? Donc, propriété MTAO, propriété du code gré. Une seule variable qui change d'état. D'accord, c'est la propriété. C'est ce que fait la simplification avec la méthode de Carnot. Donc l'objectif de ce code, c'est l'utiliser pour la méthode de Carnot. Pour la méthode de Carnot. C'est bon, je peux passer. Ben, allez. بسم الله ركزوا معي هاي لهنا التابلو هذه تعرفوها جو لي بريزونتي تو تالور سي لو ميم اكزومبل اون ا في لا سامبليفيكاسيون افيك لالجبر دو بول اي اون ا تروفي سيت ايكواسيون اس 1 ايغال او 1 بار اي او 2 او او 1 اي او 3 بار باهي Je vais utiliser cette fois-ci la méthode de Carnot. La méthode de Carnot pour simplifier cette équation. Alors, oui, j'ai quand même donné. Ah, je ne suis pas présenté. Non. Non. Ça me rend là. Je suis là. Voilà. Ben. Alors, là, j'ai. Ben. Là, j'ai une seule variable sortie. Donc, le nombre des tableaux de Carnot est égal à un seul tableau. D'accord? Yani, pour chaque variable sortie, on va dresser un tableau. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais donc écrire ici donc, les variables d'entrée E1, E2 en haut pour cette ligne et E3 pour la colonne, pour cette colonne. Donc, si je regarde E3, E3 peut être à l'état 0 ou bien à l'état 1. D'accord? 0 ou bien 1. Qui est écrit avec le bleu. Ben,
Ou en haut, vous avez pour la ligne quatre combinaisons. Vous voyez ici, vous avez quatre combinaisons. Une, deux, trois, quatre. Donc, E1, E2. E1, E2 peuvent prendre 0, 0 pour la première combinaison, pour la première colonne. La deuxième colonne, 0, 1. Pour la deuxième, troisième, 1, 1. Et pour la quatrième, 1, 0. Ben, est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Eve? Juste le nain de forme, je parle de forme. Ben, le nain, alors, qu'est-ce que je vais écrire à l'intérieur? À l'intérieur de ce tableau, je vais écrire les états de la variable S1. Ben, qu'est-ce que vous avez ici? S1 à l'état 1 pour cette combinaison, pour cette combinaison, pour cette combinaison et pour cette combinaison. La première combinaison, c'est E1 à l'état 0, E2 à l'état 1, E1 à l'état 0, E2 à l'état 1 et E3 à l'état 0. Je vais chercher cette case dans le tableau de Carnot. Donc, c'est 0, 1, 0. Je vais garder le même mental. Je respecte ce que j'ai mentionné, ce que j'ai choisi comme paramètres pour les lignes et les colonnes. Donc, je vais chercher 0, 1, 0. Donc, 0, 1, 0. Je parle de celle-là. Donc, je mets ici 1. Puis, je passe à la deuxième combinaison. C'est 0, 1. Cette combinaison, c'est 0, 1, 1. 0, 1, 1. Je parle de ce 1, de cette case. Puis, vous avez S1 à l'état 1 pour la combinaison 1, 0, 0. 1, 0, 0, je parle de cette case. Et je parle de la quatrième case, 1, 1, 0. C'est la quatrième combinaison. Tout ce qui reste, les cases qui restent, qui sont 4, sont à l'état 0. Est-ce qu'on est, qu'est d'accord tout d'abord comment remplir ce tableau à partir de la table de vérité? Monsieur Fontour. D'accord. Ben. Alors, je vais, puisque je là, là-bas, que vous attendez un peu. Ben. Ça, c'est la solution qu'on a déterminée avec algébriquement. Maintenant, je vais regarder ici. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc, le rouge, donc ça dérange un peu. Je vais utiliser ça. Je vais utiliser le noir, ce sera mieux peut-être. Alors, regardez. Là, donc, en fait, je vais dresser le tableau de Carnot, ici. Il y a combien de combinaisons? Il y a 8, donc je vais utiliser un tableau. Donc c'est très mal représenté. Attendez un peu. Là. Ben, donc regardez bien. Je vais ici représenter 4 fois 2, ou le 2 fois 4, comme ça. Donc là, combien de variables j'ai? J'ai E1, E2, E3. Je vais écrire ici E1, E2 et ici E3. Ça, c'est E2. Les cordons, ça, c'est E3. Là, donc, E3 peut prendre deux états, ou bien 0 ou bien 1. Et pour E1 et E2, peuvent prendre les combinaisons suivantes. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Là, je me suis basé sur le code grec.
Je m'arrête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire en passant de cette combinaison, celle-là, à la combinaison suivante, une seule variable qui change d'état. 0 devient 1. Puis, 0 devient 1. Puis, E1 à l'état 1 devient E1 à l'état 0. Puis, 1 devient 0. Vous voyez? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. C'est le code gray. Si je reviens ici, regardez qu'est-ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé ça, ça, ça et ça. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Vous voyez, j'ai utilisé cette partie du tableau pour représenter, pour utiliser la méthode Carnot. Donc, on utilise le code gray. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, une seule variable qui change d'état en passant d'une colonne à l'autre. Pour le E3, il n'y a pas suffisamment de variables, donc il n'y a qu'une seule variable, ou bien 0 ou bien 1, toujours une seule variable qui change d'état. Maintenant, je vais. Donc ce tableau est réservé à la variable S1. Ce tableau est réservé à la variable S1. Donc, il y a 8 combinaisons. 8 combinaisons, 8 états possibles pour S1, pour 8 combinaisons, donc pour les 8 combinaisons possibles. Alors là, je vais chercher les combinaisons pour lesquelles S1 est à l'état 1. Il y a 4 combinaisons. La première, 0, 1, 0. De préférence, j'essaie d'écrire E1, E2 et E3 dans l'ordre. Donc, je peux très rapidement repérer les cases. Alors, 0, 1, 0, ça c'est 0, 1, 0. Donc, je mets ici 1. Pour la deuxième combinaison, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc, je mets ici 1. Pour la troisième combinaison, 1, 0, 0, 1, 0, 0, je mets ici 1. Pour la quatrième cas, donc j'ai. Pour la quatrième combinaison, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 0. Je mets ici 1. Tout le reste, c'est à l'état 0. C'est bon? Allez, merci, monsieur. Ouais. Ça va qui fait? Ben, c'est bien donc de faire ça. Mais après, comment je vais déterminer l'équation? Comment je vais déterminer l'équation? L'équation simplifiée. Et l'IHO, je veux dire, hey, comment je peux déterminer cette équation simplifiée? Alors, la méthode de Carnot. La méthode de Carnot est la suivante. Je vais essayer de résumer ça ici. Alors, la première chose à faire, c'est voilà, regrouper toutes les cases à l'état 1 avec des regroupements. Deux exposants n cases symétriques. À l'état 1, ici, regrouper toutes les cases à l'état 1 avec des regroupements de deux exposants n cases symétriques. Deuxième chose à valider, choisir le plus gros regroupement. Avec la possibilité de superposer plusieurs regroupements.
بون سي ان بو فلو تاع بارتك ملي هي الحكايه فلو باش بون بيان سور جو في با ديمونتري سا الو جو في ايسيي دو ريغروبي تو لي زان الو جو في با فير ان ريغروبمون كوم سا سا مارش با سا سي فو خاطر خليك ريغروبي تو لي زان افيك دي ريغروبمون سيميتريك دونك سي سا سي با سيميتريك D'accord, deux exposants, n cases. Il y a une seule case, il y a deux cases, il y a quatre cases, il y a huit cases, il y a 16 cases. Je ne peux pas regrouper 5, je ne peux pas regrouper 6, je ne peux pas regrouper 9, je ne peux pas regrouper 10. D'accord? Donc, ce que j'ai fait ici n'est pas correct. Donc, je vais effacer ça. Et puis, donc voilà. Et voilà, je vais faire ce regroupement. Je peux regrouper, faire ce premier regroupement. Donc, Andy Hak, je peux faire A, mais si je trouve que je peux la possibilité de regrouper 2, donc en fait, je choisis 2. Et puis, il me reste ici 2, donc oui, je peux faire un seul regroupement pour ces 2. D'accord? Voilà, donc, regrouper tous les 1 avec des regroupements. Donc, symétrique de deux exposants n cases et toujours chercher à choisir le plus gros regroupement avec la possibilité de superposer. Ça, on va traiter d'autres exemples pour voir ce troisième point. Maintenant, comment je vais déduire l'équation? L'équation de S1. C'est vrai, l'explication donc demeure un peu. Donc. Enfin, la méthode est un peu difficile, mais si on passe à 10 applications, vous allez voir que c'est très simple d'utiliser ça. Bah, de toutes les manières, moi, je vais passer plutôt au diagramme d'état. C'est ça qui nous intéresse et essayer le système séquentiel, système à événements discrets. Bah, je viens presque de terminer avec le système combinatoire. Alors, comment je vais chercher l'équation? Donc, je vais prendre ce regroupement. Donc, l'équation est déterminée à partir de ces regroupements. Alors, pour le premier regroupement, je vais écrire l'équation qui concerne ce regroupement. Je vais écrire, il y a trois variables, comme vous voyez ici. Je vais garder les variables qui ne changent pas d'état en passant d'une colonne à l'autre. Et je vais garder les variables qui ne changent pas d'état en passant d'une ligne à la ligne suivante, bien sûr, je parle des lignes et des colonnes qui concernent le regroupement. Si vous regardez ce regroupement concerne cette colonne et ces deux lignes. Alors, si j'analyse ces deux lignes concernent la variable E3, si j'analyse les deux états, donc E3 change d'état en passant de la première ligne à la deuxième, et donc E3 ne figure pas dans l'équation. Alors que si je regarde les colonnes, il y a une seule colonne et qui concerne E1 et E2. Et E1 et E2 pour ce regroupement ne changent plus d'état. Et donc E1 et E3 figurent dans l'équation dans les états respectivement E1 à l'état 0 et E2 à l'état 1. Donc c'est E1 bar E2. Donc ce regroupement. Pardon, voilà. Ce regroupement me donne l'équation E1 bar E2. Maintenant, si je regarde ce regroupement, le deuxième, ça concerne l'intersection de ces deux colonnes et cette ligne. Alors, E3 donc, est concerné par cette ligne et elle garde l'état 0 pour ce regroupement. Donc, E3 ne change pas d'état pour ce regroupement. Et E3 garde l'état 0. Donc, c'est E3 bar. D'accord? Et pour les deux variables E1 et E2, en passant de cette colonne à la colonne suivante, la variable qui ne change pas d'état, c'est E1 à l'état 1. Vous voyez? Donc, je rajoute ici E1.
Voilà le morceau de l'équation tiré à partir du deuxième regroupement. Et donc ici, l'équation S1, c'est égal E1 bar E2, où, en passant d'un regroupement à un deuxième regroupement, je mets plus. Donc, le deuxième morceau, c'est E3 bar E1. Voilà l'équation simplifiée avec la méthode Carnot. Et voilà l'équation simplifiée avec la méthode algébrique. Bon, est-ce que j'ai réussi vraiment à expliquer ça? Vous êtes là? Oui, monsieur. فهمتوني كيفاش اكسبليكي ولا لا؟ فهمتوا كيفاش نخرجوا لي زيكواسيون ولا نو؟ مش فهمت كيفاش خرجت لك بس من لو جروبمون فهمتهمش مليح كيفاش عملنا باي فوالا دونك ان فيت هو اون في دي ريغروبمون دو دو اكسبوزون ان كاس سيمتريك دونك بور ميو كومبروندر سا جو في باسي افير لابليكاسيون سويفونت. Est-ce que je passe? Donc là, on va tout refaire pour de A à Z, donc pour voir la méthode complète. Et je vais utiliser la méthode Carnot. Voilà, je trouve l'exemple suivant. Alors, commande de feu d'automobile. On dispose sur une automobile quatre commandes indépendantes: CV pour les veilleuses, CC pour les feux de croisement, CR pour les feux de route et CA pour les phares, donc anti-brouillard. Alors, valeur 1 au travail, 0 au repos. On note les états des lumières V pour les veilleuses, C pour les croisements, R pour les feux de route, A pour l'antibrouillard. Alors, il est précisé que là, donc en fait, qu'est-ce que je vais préciser? Je vais préciser les règles de décision. Les règles de décision, c'est-à-dire le cahier de charge. En se basant sur ces trois points, on va remplir le cahier, la table de vérité. Alors, essayons de comprendre ces règles de décision. Je colle les feux de croisement en priorité sur les feux de route et sur les antibrouillards. Les antibrouillards en priorité sur les feux de route. Les veilleuses peuvent être allumées seules, mais l'allumage des feux de croisement ou des feux de route ou des antibrouillards entraîne obligatoirement l'allumage des veilleuses. Donnez la table de vérité liant V, C, R et A à C, V, C, 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 R et C, A. Simplifiez ces fonctions en utilisant le tableau, la méthode Carnot. B. Alors, si vous avez devant vous un problème de logique combinatoire comme celui-là, la première chose à faire, c'est repérer les entrées et les sorties. Et vous essayez de comprendre les règles de décision pour pouvoir mettre en place la table de vérité qui regroupe toutes les combinaisons possibles. Là, donc, qu'est-ce que vous avez comme entrée? Vous avez trois variables, à quatre variables, pardon. Vous avez CV, CC, CR et CA. Et vous avez quatre variables de sortie: la veilleuse, croisement, route et anti-brouillard. Comment donc remplir la table de vérité? Là, on vous a dit ici que les feux de croisement en priorité sur les feux de route et sur les anti-brouillards. En fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quatre boutons. CV, CC, CR et CA. Donc, pour commander la veilleuse, vous appuyez sur CV. Pour commander les feux de croisement, vous appuyez sur CC. Pour commander les feux de route, vous appuyez sur CR. Pour commander les feux de anti-brouillard, vous appuyez sur CA. Mais il arrive souvent qu'on appuie sur deux boutons en même temps. Et là, donc, les règles de décision définissent en fait la priorité est donnée à quel bouton. Donc par exemple ici,
Le premier point précise que CC est prioritaire à CR et CA. Deuxième point, les anti-pourvoyeurs ont priorité sur le feu de route. Donc, SCA est prioritaire sur CR. Maintenant, si j'appuie à la fois en même temps sur CA et CR, donc c'est CA qui domine. Si j'appuie en même temps sur CC, CR et CA, c'est CC qui domine. Le troisième point précise quoi? Les veilleuses peuvent être allumées seules, c'est-à-dire si j'appuie sur CV, mais aussi tout allumage des autres feux entraîne obligatoirement l'allumage des veilleuses. D'accord? Alors, la question maintenant qui se pose est la suivante. Combien de combinaisons possibles? Le nombre des combinaisons. Qui peut me répondre sur ça? Adèche, une combinaison possible. 2 puissance 4. 2 exposant 4, c'est égal. 16. 16 6. combinaisons possibles. D'accord? Ben donc, je vais passer ici. Hein? Vous voyez donc comment je vais remplir la table de vérité. Tout d'abord, je vais définir les entrées. Les entrées. Donc CV, CC, CR et CA. Vous choisissez l'ordre qui vous convient. D'habitude, dans les concours, c'est nous qu'on définit en fait l'ordre. On vous donne ce tableau et c'est à vous de remplir ça. Alors, vous prenez le mot d'Alain juste à droite, qui représente les unités. 0, 1, 0, 1. Donc, comme si je me base sur le code binaire pour vraiment lister les 16 combinaisons possibles. Alors, comment je vais remplir? Alors, Rao, CC est prioritaire sur les deux. Je vais réécrire ça ici. Pardon. CC est prioritaire sur CR et CA. On a CA, je pense. CA est prioritaire sur CR. Sur CA. D'accord? Bien. Donc, je vais me baser sur ça pour remplir la table de vérité. Alors, il n'y a rien. On appuie sur rien. Donc, en fait, il n'y a rien. Donc, toutes les sorties, ce sont les sorties, donc nos sorties, il y en a quatre. Alors, si j'appuie sur CA, automatiquement c'est A qui s'allume et la veilleuse, puisque l'allumage du veilleuse peut être seul ou bien tous les autres, donc en fait, tout feu, donc entraîne obligatoirement l'allumage du veilleuse. Alors, là, donc, en fait, ça, c'est la combinaison 2. Puis, je vais regarder, j'appuie sur CR, donc, je vais allumer R, et là, donc, 0, 0, et la veilleuse. C'est bon, vous comprenez ce que je viens de faire, hein? Puis, si j'appuie sur CR et CA, là, donc, en fait, je vais gérer ça avec les règles de priorité. Si j'appuie sur CR et CA, donc, c'est A qui domine, donc, c'est A qui s'allume, et nécessairement la veilleuse. D'accord? Maintenant, si j'appuie sur CC, donc toute seule, donc en fait, ça va entraîner C et la veilleuse. Maintenant, si j'appuie sur CC et CA, donc c'est CC qui domine, donc en fait, croisement et la veilleuse et le reste sont à l'état zéro. Maintenant, si j'appuie sur CC et CR, c'est CC qui domine. Et les autres sont à l'état zéro, sauf la veilleuse. Maintenant, si j'appuie sur les trois, donc c'est C qui domine. Maintenant, je pense que c'est clair. Vous venez de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, si j'appuie sur uniquement CV, donc c'est uniquement la veilleuse. Si j'appuie sur la veilleuse et CA, donc c'est A et la veilleuse. Si j'appuie sur la veilleuse et CR, donc c'est la veilleuse et feu de route. Maintenant, si j'appuie sur CR et CA et la veilleuse, donc c'est CR, CA qui domine, donc c'est A.
Toujours la veilleuse. La veilleuse, toujours, est allumée sauf pour la première combinaison. Donc, maintenant, j'appuie sur C. Donc, c'est le C qui s'allume. Si j'appuie sur CC et CA, c'est le feu de croisement qui s'allume. Si j'appuie sur CC et CR, c'est le croisement qui s'allume. Si j'appuie sur les trois en même temps, c'est le croisement qui s'allume. Vous voyez? Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait maintenant en se basant sur les règles de décision tirées à partir du cahier de charge qui donc décrit le fonctionnement de mon système combinatoire? Donc, je me suis arrivé à remplir la table de vérité. Maintenant, je vais essayer de chercher les équations. Les équations pour les trois variables, pour les quatre variables. Là, j'ai noté trois variables uniquement. Donc, j'ai noté ici C, feu de route, feu anti-brouillard. D'accord? Ben, t'as comment remplir ces trois tableaux? Je vais travailler avec ces trois. Je vais commencer avec C. Moi, donc, en fait, c'était simple. Je vais regarder les combinaisons là où C à l'état 1. Je vais essayer de remplir ça. Il y a 8 cases pour lesquelles C est à l'état 1. La première combinaison, 0, 1, 0, 0, je vais garder les variables, j'ai mis en haut CV, CC, et ici CR et CA. Je vais essayer très rapidement de remplir la table, le tableau de Carnot. Le nombre des tableaux de Carnot est égal au nombre des variables sorties. Là, j'ai écrit uniquement 3. En quelque sorte, je ne vais pas analyser la veilleuse. D'accord? Alors, là, regardez bien, donc il y a 0, 1, 0, 0, donc là c'est 0, 1, 0, 0, là j'ai 1. J'ai pour la deuxième combinaison 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, je mets ici 1. Là donc en fait pour la troisième 0, 1, 10, 0, 1, 10, je vais mettre ici 1. Et pour la quatrième 0, 1, 11, 0, 1, 11, je vais mettre ici 1. Maintenant je passe au deuxième volet, donc vous avez 11, 0, 0, 11, 0, 0, vous avez 11, 0, 1, vous avez 11, 10, et vous avez 11, 11. Tout le reste sont à l'état 0. Bien, est-ce que je peux faire des regroupements ici? Voilà. Celui qui a posé la question, comment je vais faire les regroupements? C'est pas clair en fait pour les regroupements. Alors moi, je vais regrouper toutes les cases à l'état 1 avec les regroupements de deux exposants n cases symétriques et je vais chercher le regroupement le plus gros. Alors je peux faire comme ça. Là, j'ai regroupé donc deux exposants n. Là, ça marche pas. J'ai la possibilité de faire mieux que ça. Comment je vais faire? Je peux faire des regroupements de deux cases. Oui, mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça, donc en fait, je peux faire un regroupement de quatre. Mais il y a mieux que ça, je peux faire un seul regroupement de 8. 2 exposant 3 et ça marche. D'accord? Donc là, comment je vais? Hein? Allez, je reparle ta quelqu'un. Donc, toujours chercher le plus gros regroupement. Ça te donne l'équation la plus simplifiée. D'accord. Avec un. Donc, بصح يا اخي لازم يكونوا دو فاريابل معناها كيف العليني ولا كولون ما جوش نعملوا 3 1 C'est une bonne question, ça. Oui, tu peux, je pense. Tu peux. L'essentiel, vous respectez يعطينا le نفس code grec الريزلتا بعد et antique 9 ce résultat. Tu respectes le code grec. Mais pourquoi tu compliques la vie? J'ai jamais donc utilisé ça depuis donc des années et des années.
Donc, si vous Juste avez quatre à préférences, l'addition. c'est 2 x 2. Oui, tu peux le faire. 3, donc en fait, il faut respecter le code gré. Ça doit être 0, 0, 0, 0, 0, ainsi de suite. Il faut qu'en passant d'une combinaison à l'autre, 8 combinaisons, il faut qu'une seule variable qui change d'état. C'est ça, donc en fait. Et puis, voilà. Mais d'habitude, donc, couramment, on utilise ça. Si c'est 4 variables, on met 2 x 2. Moi, je trouve c'est plus logique d'utiliser ça. Bon. Oui. Monsieur Kinkol, le groupement, les icônes symétriques, c'est trimta. Les regroupements icônes symétriques. Mathématiques. Source symétrique, monsieur. Symétrique, c'est-à-dire symétrique, c'est-à-dire symétrique, c'est-à-dire. Alors, je change de couleur pour vous expliquer un peu ça. Ben, symétrique. Maintenant, qu'il y a le regroupement éveil. Le regroupement éveil, il est symétrique comme ça. Ben, je fais sauf d'accord. Maintenant, un kernel cas par exemple ici, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7. Est-ce que je peux faire ce regroupement comme ça? AK2 exposant N. Là, je ne peux pas faire, c'est pas symétrique. Pas symétrique. Tant pis. Je vais m'amuser ici. Est-ce que la couleur vous convient, Evelyne Samson? Ou bien je change de couleur. B. Regardez ici. Si, comme par hasard, maintenant, Nakarohi Haka, والاخرين اصفر زيرو بارتو كومون جو في ريغروبي سا جو بي اتيليزي ان سيل ريغروبمون اللي هو هذا سون سيميتريك خاطر لا كولون هذه سونسي ا كوتي دو سيت كولون كانو هذه سي سيلاندريك. En quelque sorte. Je Vous avez cylindrique, monsieur. une colonne éveillée. Colonne éveillée. Et à côté de cette colonne, sont adjacents. L'une à côté de l'autre. Maintenant, en passant, une combinaison heavy. Une combinaison heavy, une seule variable qui change d'état. Donc, heavy ou heavy, comme si on faisait base. D'accord? Et je peux les regrouper. Et c'est symétrique. Soumanat, maintenant, en quelque sorte, on dit là, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Il y a une chose, 1, 0, mais je n'ai pas 0, 0. Avec Alès, quand tu te fais le tableau de code gré, chaque fois, je fais ça. Une fois, un camel, n'a pas d'argent. كانت تتذكر دونك اون فيت تو ديغري هاك شفت ولهنا كيس كو جي في من جو روفيان ايسي توجور اون سول فاريابل كي شونج ديتا دونك ب كي نعطيكم مثلا كومبينيزون هذيا كونفيغوراسيون هذي نحط لهنا جو في باسي سا جو في ميتر ايسي ان اتوندي Donc, je vais mettre ici 1 et ici 1. Alors, là, je peux regrouper les coins de mon code. Un seul regroupement. Un seul regroupement. À la ligne heavy, censée être heavy ou colonne heavy, censée être colonne heavy.
D'accord. Et c'est symétrique, tu vois? Maintenant, si je vous donne cette configuration, je vais mettre ici 1. Donc là, j'ai regroupé ces quatre cases. Il me reste un qu'il faut regrouper. Je peux faire comme ça. Alors, il y a la possibilité de superposer plusieurs regroupements. Au lieu de le regrouper un, donc cette case toute seule, donc en fait, je peux utiliser la case juste à côté pour avoir un regroupement plus gros. C'est bon. Là, je vais revenir ici. Hein. Donc, je veux déterminer les équations maintenant. Ah, ouais, là, j'ai rien fait. Donc, je vais tout effacer. Je vais chercher maintenant l'équation. L'équation ici, c'est C égale ce regroupement que vous voyez ici. C'est l'intersection de ces deux colonnes et ces quatre lignes. On est d'accord? En passant par ces quatre lignes, les variables, les deux variables CR et CA changent d'état. En passant de la première à la deuxième, CA change d'état. Et en passant de la deuxième à la troisième, CR change d'état et du coup, ces deux variables ne figurent pas dans l'équation. Donc, dans l'équation, m'indique les variables CR et CA. Parce que ces deux variables, en passant par les quatre colonnes, changent d'état. Qu'est-ce qui reste? Il reste CV et CC. Alors, je vais garder la variable qui ne change pas d'état en passant de cette colonne à la colonne suivante. La variable qui ne change pas d'état ici, c'est la variable qui est à l'état 1, c'est CC. Et donc C égale CC. Voilà. Vous voyez, l'équation est simplifiée. Alors, si ce n'était pas cette méthode, il faut écrire les huit combinaisons que vous voyez, il faut utiliser l'algèbre de Boole pour arriver au bout du fil que c'est égal CC. Et on peut faire ça, si vous voulez. Hein. On peut faire ça. Donc, juste, je vais écrire ça ici. Nota bene, je vais utiliser la méthode algébrique. Non. La méthode algébrique. Alors, si je vais chercher les équations, l'équation de C. Donc, je vais lister les quatre combinaisons. En fait, c'est CV bar CC CR bar CA bar ou la combinaison suivante, c'est CV bar CC CR bar CA, c'est ça, ou la combinaison suivante, CV bar CC CR CA bar, ou la combinaison suivante, CV bar, CC, CR, CR, CR bar, CR, CA bar. À la colle. Donc, en fait, il y a besoin de l'espace d'un je voyage, je ne peux pas, je vais essayer. Bon.
Donc, il faut que je corrige ça quand même. Voilà. Je reprends. P. Ou. Ou, donc, j'ai écrit quatre combinaisons. Je passe aux quatre autres combinaisons. Donc, vous avez CV, CC, CR bar, CA bar, ou. CV, CC, CR bar, CA ou CV, CC, CR, CA bar ou CV, CC, CR, CA bar ou CV, CC, CR bar, CA bar. Il faut finalement simplifier tout ça pour arriver à cette équation. Vous voyez donc l'avantage de la méthode de Carnot? Est-ce que vous pouvez simplifier ça pour arriver à CC? Alors, si vous regardez les deux premiers morceaux, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? CV bar CC. On peut mettre CV bar, CC, CR bar, facteur de quoi? CA ou CA bar? Donc c'est 1. Donc ça reste ça. Les deux autres morceaux, je peux mettre CV bar, CC, CR, n'est-ce pas? Donc CV bar, CC, CR, facteur de quoi? CA bar ou... Virata, OCA. Donc là, je me suis trompé. Voilà. B. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Je vais analyser les deux autres combinaisons. Je peux mettre CV, CC, CR bar en facteur. CV, CC, CR bar. En facteur. Facteur de quoi? CA ou CA bar plus, il me reste finalement CV, CC, CR, facteur de CA bar ou CA. Encore, je me suis trompé. Donc, j'ai fait ça. Il n'y a pas le bar ici. C'est CA. B. Donc, vous faites attention. Il ne faut pas se tromper. Donc, puis, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que je peux faire encore? Donc, je peux mettre CV bar CC en facteur. Donc, CV bar CC, facteur de quoi? CR bar ou CA? Ou, pour les deux autres combinaisons, je peux mettre CV CC en facteur. CR bar ou CA? Finalement, je peux mettre quoi? CC en facteur, CV bar ou CV. Et voilà, donc finalement... Donc, je trouve la même équation. Vous voyez? Ben, maintenant, je vais passer à la variable R pour chercher l'équation à simplifier. Alors, est-ce que je peux effacer tout ça? Là, juste, je m'amuse pour vous dire, voilà, vraiment, il me faut beaucoup de travail pour arriver à CC. Ben, c'est important, en fait, la méthode de Carnot. Hein? Alors, je vais plutôt effacer tout ça. Bon, effacer tout ça. Je peux effacer tout ça. Je vais tout effacer. Monsieur? Oui. مسك معناتها كي بدا عندنا جروبمون واحد في التابلو دو كارنو يعطينا اون سول فاريابل هكا ان سول مورسو اي مع كيما غادي معناتها سي ايغال سي سي معناها لا. لا 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 كي يبدا عندنا ويت كاز يعطينا اون سول فاريابل كي يبدا عندنا كات كاز يعطينا دو فاريابل كي يبدا عندنا دو كاز يعطينا
3 variables. يبدا عندنا يسأل كاز يعطينا 4 variables. بقى عليش il faut choisir le plus gros regroupement si c'est possible. On a la possibilité. C'est bon? بي تاو بالنسبة للR الR عندي الR عندي combinaison heavy وعندي combinaison heavy deux combinaisons كاو combinaison لولا 0 0 1 0 0 0 1 0 عندي 1 ici وعندي 1 0 1 0 1 0 1 0 في 7 كاو بقي كلها مصفر Alors, comment faire le regroupement? Je vais faire un seul regroupement, c'est celui-là. Alors, R ici, c'est égal. Je retiens les variables qui ne changent pas d'état. Pour cette ligne, c'est CR, CA, bar, et pour ces deux colonnes, la variable qui ne change pas d'état, CCC bar. Bon. C'est bon. Ça va me faire, Evie? بريغ بقى ذي R si c'est bon donc je passe pour faire la variable A donc pour la variable A il y a 4 combinaisons pour avoir A à l'état 1 je vais essayer de CC bar كتبنا مش CC ما لا CV منكتبوش je retiens la variable qui ne change pas d'état voilà la variable qui ne change pas d'état لهنا CV كانت تقدش 0 لهنا ولات 1 donc CV change d'état par ailleurs CC à l'état 0 garde l'état 0 Donc, CC a été l'état 0. Donc, je note CC bar. Comprenez? Oui, c'est bon. Je vais pour valider. J'ai introduit là où je vais mettre un système séquentiel. Il y a un diagramme d'état. Le système séquentiel est décrit par graphe 7 ou bien par le diagramme d'état. احنا الجراف 7 كان موجود في البروجرام بالنسبه للبروجرام الفرنسي وخرج مقاش بدلوه بالديجرام ديتا بالنسبه لتونس التوا نستعمله في الجراف 7 داكور بون جو في با بريزونتي الجراف 7 الحقيقه جو في بريزونتي الديجرام ديتا مي جراف 7 بلي تار جو بو فير ان انرجسترمون بور بي تاو نجيو لهنا خليني نشوف ال ا عندنا 1 pour la combinaison 0001 0001 on dit 1 ici ou on dit 1 pour la combinaison 0011 on dit 1 ici ou on dit 1 pour la combinaison 1001 ou on dit 1 pour la combinaison 1011 tout le reste sont à l'état 0 C'est bon. Alors, comment je vais regrouper les cases à l'état 1? Alors là, je peux utiliser un seul regroupement. D'accord? Je connais une équation. A égale.
قداش من فاريابل مش يظهروا لي في الايكواسيون لهنا؟ سي ا سي سي با ما نعرفش. لحظة خلينا نثبت. سي ا صحيح صحيح سي ا سي سي با سي سي با سي ا سي سي با اي سامر بيان اي اوكي اي يزينا من كومبيناتوار ها هما لي سوليسيون سي سي بار سي ا سي سي ان سي سويت بي توا مش نتعدى البولي دو. سي بون وزيت لا دون احنا حكينا عن سيستم كومبيناتوار. قلنا سيستم كومبيناتوار لا فاريابل سورتي ديبون دي كومبينيزون دي زيتا دي فاريابل دونتري. لكن سيستم سيكونسييل ولا سيستم ايفينمون ديسكري كوم سون نون لانديك سيستم ايفينمون ديسكري لي ايفينمون معناتها مجهولين معناتها لا ريبونس دي سيستم مجهولة مش ديبون اونيكمون دي فاريابل دونتري او بيان دو لا كومبينيزون دي زيتا دي فاريابل دونتري مي ديبون اوسي دو ليتا دو سيستم لوي ميم ا سيت انستان هو ايلي او كيس كيلي اون تران دو فير داكوردو. سي فري لي كومبينيزون عندهم دان لي زونتري دونك اون اون انفلونس مي اوسي دونك ليتا دو سيستم لوي ميم ا لانستان دو كوموند de la commande donc est indispensable. Donc un système séquentiel ou bien SED système événement discret est un système logique effectivement dont l'état de sortie dépend de celui des entrées et de l'état de système lui-même. Maintenant, si vous regardez ici la sortie est X, la variable X c'est la sortie dépend effectivement de M, l'entrée, et de A, et aussi dépend de X. Vous voyez? Donc en fait, là, donc en fait, pour décrire le fonctionnement du système séquentiel, ou bien système à événement discret, on se base sur le diagramme d'état. Ce que vous voyez ici, ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est le diagramme d'état. Et donc l'objectif des diapos qui viennent après, donc c'est comprendre les syntaxes qu'on va utiliser pour le diagramme d'état. C'est un système combinatoire, système séquentiel. Donc je vais refaire la même chose. Du point de vue convention de notation, les entrées, les hommes et les causes, généralement on utilise des lettres en minuscules, les variables sorties, les hommes et les effets, on utilise des lettres en majuscules de préférence. Alors, si j'utilise ici un bouton bistable qui peut prendre deux positions, on et off. On et off, bouton invite à la fois. Alors, si j'appuie sur B, alors X égale à 1. Si j'appuie sur on, off, c'est-à-dire je mets B à l'état 0, donc X égale à 0. Vous voyez? Donc, c'est un système combinatoire. Il dépend de l'état de l'entrée, tout court. Il ne dépend pas de l'état du système. Si j'appuie sur le bouton, je bascule le bouton sur la position on, x égale à 1. Si je bascule le bouton sur off, la position off, x égale à 0. Et donc, x ici égale à b. Vous voyez ici la sortie, x égale à b, elle ne dépend pas de x. Maintenant, si je passe à cet exemple, bouton monostable, monostable, une seule position. D'accord? Alors, si x à l'état 0, regardez la table de vérité, si x à l'état 0, je n'appuie pas sur b, x reste à l'état 0. Si x à l'état 0 et j'appuie sur le bouton, donc x passe à l'état 1. Si x à l'état 1 et je n'appuie pas sur b, x reste à l'état 1. Si x à l'état 1 et j'appuie sur le bouton, x passe à l'état 0. Vous voyez?
Donc, ici, l'état de système est indispensable pour définir la réponse du système. Donc là, si je veux chercher l'équation du x à partir de la table de vérité, donc x égale, il y a deux combinaisons pour donc lesquelles x égale à 1. Donc x égale x bar b ou x b bar, ce qu'on appelle x ou exclusif b. D'accord. À la colle, là, l'équation de x, vous voyez que x dépend de l'état de système. Ce n'est pas comme celle-là, x dépend uniquement de la combinaison des variables d'entrée, ou bien de l'entrée, tout court. Donc, ce deuxième système, ou bien deuxième exemple, on dit qu'il s'agit d'un système à événement discret. C'est un système séquentiel. Alors, prenons un troisième exemple. Là, on parle d'un système séquentiel. Je vais utiliser deux boutons monostables. Soit le système commandé par deux boutons monostables on et off. Deux boutons. L'appui sur on, c'est-à-dire m égale à 1, commande le système. Si on relâche le bouton M, la commande est maintenue parce que c'est monostable. L'appui sur OFF, c'est-à-dire arrêt A égale à 1, arrête le système. Donc X égale à 0. Si on relâche le bouton, la commande est maintenue. En cas ici d'appui simultané, les deux boutons, la priorité est donnée à l'activation. La priorité est donnée à l'activation. Là, si je veux déterminer la table de vérité du système, il y a une seule sortie, c'est X, mais aussi X et X, M et A, ici, représentent les entrées. Donc, ce n'est pas un système combinatoire qu'on peut, en fait, ici, le représenter par la table de vérité, mais c'est un système séquentiel. Comme vous voyez ici, X fait partie aussi, l'état du système fait partie aussi des entrées. Là, j'ai trois combinaisons. Donc, si je vais mettre ici, trois variables, donc j'ai huit combinaisons. (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1). Je vais lister les combinaisons 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Là, pardon, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ben, frère, essayez de me répondre. Hein. Si X à l'état 0, et M à l'état 0 et A à l'état 0. X reste à l'état 0. Si j'appuie sur A et X à l'état 0. 0. 0. Si j'appuie sur M et X à l'état 0. 1. Si j'appuie sur M et A simultanément. 1. Et X à l'état 0. La priorité est donnée à l'activation. Donc, c'est 1. Si j'appuie sur X, si X est à l'état 1 et je n'appuie pas sur M et A, X, il reste à l'état 1. Si X à l'état 1 et j'appuie sur A, 0. 0, il passe à l'état 0. Si X à l'état 1 et j'appuie sur M. 1. Il reste à l'état 1. Si X à l'état 1 et j'appuie à la fois sur M et A. 1. 1. Vous voyez, donc là, l'état du système est indispensable pour savoir l'état du système
À l'instant suivant. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle système à événement discret, système séquentiel. Regardez là. Donc, là, j'ai utilisé le tableau de Carnot pour simplifier et finalement, j'ai trouvé ça. Donc, j'ai trouvé que x égale m où x est a bar. Vous voyez? Donc, tout système séquentiel peut être décrit à partir d'un cœur combinatoire et une mémoire qui décrit l'état de système. Donc, une mémoire qui mémorise l'état de système à l'instant i moins 1, pour savoir la réponse du système à l'instant i. Vous voyez, donc, c'est un mot système séquentiel. Voilà, système à événement discret. Et là, donc, l'approche que j'ai présentée pour le système combinatoire tend dans l'eau. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour décrire le fonctionnement du système. Alors, comment décrire un système à événement discret? Ou bien par chronogramme, avec chronogramme, ce que vous voyez ici, ou bien avec diagramme d'état, ce que vous voyez ici, ou bien avec Grassetti. Je vais me baser sur le même système que j'ai décrit tout à l'heure, donc celui-là, l'exemple 3, et je vais essayer de lire le chronogramme ici. Est-ce que ce que j'ai fait ici est correct ou non? Alors, si m à l'état 0 et a à l'état 0, x est à l'état 0. Alors, maintenant, m passe à l'état 1. M passe à l'état 1, a à l'état 0, donc x passe à l'état 1. D'accord. Maintenant, si M passe à l'état 0, donc, et A à l'état 0, X est maintenu à l'état 1. Vous voyez? Pour autant, j'ai relâché M. D'accord? J'ai appuyé sur M et j'ai relâché M. Donc, X est maintenu à l'état 1. Pour autant, là, vous voyez ici, j'ai 0, 0, x est à l'état 1. Alors ici, pour la même combinaison, 0, 0, j'ai x à l'état 0. Ici, j'ai 0, 0, j'ai x à l'état 1. Deux sorties différentes. Pour les... Allez, monsieur. Ben voilà, parce que c'est un système séquentiel, c'est un système à événement discret. Il dépend de l'état précédent. C'est pas un système combinatoire. Alors que si c'était un système combinatoire, la même combinaison donne la même chose. Comme ça, voilà. Il y a les cas d'être 1, quand il y a un maintenant. Quand il est maintenu à l'état 1, je crois dans la description. Un, si j'appuie sur M et je relâche. Donc le système donc, est maintenu. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? L'appui sur M commande le système. Si on relâche le bouton, la commande est maintenue. D'accord? Donc là, ah, c'est bon. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous détoile, Ali, comme tu sors de là, t'as vraiment, c'est pas, oui, voilà. Pas un système combinatoire. Pour la même combinaison, mais j'ai deux sorties différentes. D'accord? Ben, donc, pour décrire un système à événement discret, donc c'est indispensable d'utiliser le chronogramme. Ben, là, je vais mettre les choses je parle comme ça. Ben, si je suis un...
concours mi-temps. هذا من بون لاني باسي نهضر تنقول لكم وين بالضبط سي سيلولا هذا شنو تشوفوا لهنا كومبليتي لو كرونوغرام انديكون لي زيتا سكسيسيف دي سيستيم يعني لهنا بور كومبروندر ان بو لو كرونوغرام راهو او بيان 0 او بيان 1 جو باس فهمت دونك هذا سي ليفولوسيون تمبوريل دي زيتا سيستيم D'accord. Comment je vais remplir ça? C'est à partir du diagramme d'état qui permet de décrire le système à événement discret. Donc, un état où je vais le chronogramme, il faut comprendre le diagramme, les syntaxes, tout ce qui concerne le diagramme d'état. D'accord? C'est bon, là, on est là. Juste, j'anticipe. Mazel, je vais détailler. Je vais commencer par le graphe 7. Le graphe 7, le graphe 7, écrit au secondaire, entre comme des étapes, des actions et des transitions, ou bien seulement la réceptivité. Alors, il y a des règles d'évolution d'un graphe 7. Si la transition est franchissable, si la réceptivité associée à la transition est vraie, et si la transition est franchissable, on dit que cette transition est immédiatement franchie. Et le franchissement de cette transition, ça entraîne la désactivation de l'étape ou bien des étapes en amont, et l'activation des étapes en aval. Je désactive 0 et j'active 1. Et si 1 est active, un point à l'intérieur, je mets dedans pour dire que c'est active, alors l'action associée à cette étape est en train de se dérouler. Il y a vraiment des règles, enfin, des syntaxes qui expliquent un peu l'évolution d'un graphe 7, comment décrire un système séquentiel avec un graphe 7. Voilà, c'est comme ça. ولكن هو لهنا شنو اللي يخليكم يلزمكم تفهموا يلزمكم توسعوا بكم شويه تركزوا شويه في لي سينتاكس كو جو في بريزونتي اي دونك ان فونكسيون دو سا فو سيري كابابل مع تابش جو ولا اي سؤال كونسيرنون السيستيم ايفينمون ديسكريت بي ا كوتي هو قبل avant donc en fait on utilise le graph 7 pour décrire un système séquentiel. Donc ça c'est nouveau, c'est pas vraiment c'est avec le diagramme 6ML. Donc on peut décrire un système à événement discret en utilisant le diagramme d'état. Je pense que vous avez quand même une idée là-dessus, l'année passée vous avez fait ça. Donc ça c'est il y a deux rectangles que vous voyez ici. Avec les sommets sont arrondis un tout petit peu. Ça, ce sont les états du système. Il y a ici deux états possibles pour le système. Il y a des flèches pointues ici. Donc, en fait, ce sont les transitions. Et il y a des trucs écrits ici. Donc, en fait, M et tout ça, ce sont les événements. Et il y a ce cercle noir, c'est le pseudo-état initial. Donc, tout ça, je vais expliquer ça. Mais en fait, ce diagramme décrit ce système à événement discret. Alors, je vais essayer, ou alors un amandiche suffisamment, je n'ai pas présenté suffisamment d'informations sur le diagramme d'état, mais on va essayer de lire ce diagramme. À l'état initial, donc la pseudo-état initial, donc, point directement sur l'état 0, le système est à l'arrêt. Entre C, donc en fait, c'est un mode de comportement du système à événement discret. Donc, dès que je rentre dans l'état, je vais faire cette activité. L'activité X égale 0. Donc, à l'arrêt, X égale à 0. Si j'appuie sur M,
Nivellement. Alors, je passe directement à l'état 1. Et si je rentre dans l'état 1, entry, donc en fait, une loi de comportement en anglais, c'est écrit, alors je vais mettre X à l'état 1. X à l'état 1, ça pourrait être un moteur. Je vais faire tourner le moteur. Alors ici, admettons que X égale à 1, c'est-à-dire, je peux dire que le moteur tourne. D'accord? Si j'appuie sur A, mais je mets entre crochets ici une condition de garde. C'est-à-dire seulement une condition de garde. La condition, je vais... Donc chaque fois, j'appuie sur un truc qui n'est pas le bon. Voilà, je pense que ça c'est bon. Maintenant, rite au point d'exclamation, indique, ça veut dire un bar. Là, je ne peux rien écrire. Ça c'est A entre crochet en bas. Ça c'est la condition de garde. J'appuie sur A à condition je n'appuie pas sur M. Si j'appuie sur A et je n'appuie pas simultanément sur M, je vais arrêter le système. Sinon, je ne peux pas passer. Sinon, je ne peux pas passer de l'état 1 à l'état 0. So, right. J'ai bien décrit mon système ou non? Oui, monsieur. Voilà, c'est le diagramme d'état qui permet de décrire mon système. Mais, le graphe 7 a une idée là-dessus. Maintenant, qui nous a le graphe 7? À l'état initial, N, je suis au repos. Le moteur ne tourne pas, maintenant. Si j'appuie sur M, le moteur tourne. Si j'appuie sur l'arrêt, à condition que je n'appuie pas sur M, le moteur s'arrête. Mais si j'appuie simultanément sur les deux, cette réceptivité n'est pas vraie et donc cette transition n'est pas franchissable et donc je ne peux pas passer à l'état initial. B. Blé, N a naki avec zéro connaissance. Mais je n'ai pas présenté les syntaxes. D'accord? Mais quand même, c'est accessible. D'accord? B. Je passe maintenant. في بالي كان تحبوا نقراو اربع سوايع ساسورا ميو توا احنا الاربعه شنو رايك كان انتم عندكم التزامات وتحسوا في رواحكم انا ما قلقنيش لو عندنا نجم نعمل لكم دوتر سيونس اما كونديسيون انا جيم بيان تيرميني افيك فو سا سي انديسبونسابل خدام مازال هو مسيو Mais il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et là, je préfère. Chouffe, tu as besoin de dire que je me disais, pas j'ai. Et là, on a la solution. Bon, on a la solution. Bah, dit quand je n'ai qu'à les syntaxes. Je peux présenter les syntaxes. Professeur Hamp, d'accord, on a dit comme des exercices. Hein? ماشي بقى مجيست هنا نجم نوصلكم لهنا ما خاطر هم مزيلوا حاجات أخرى نوصلكم لهنا وكيك سورت اللي كونيسونس اللي نعطيهم لكم حتى لهنا يخولونا باش نجاوبوا على الكونكور مين بون داكوردو وليا ان كومبليمون ابري دونك اون بو كو جو بو بريزونتي داكوردو بون انا جو بريفير نعطيكم نكمل لكم لي سانتاكس باش على الاقل اللي مش يلقى روحه قدام ان سوجي دو كونكور ويحب يخدمه لازم حتى على الميت يفهم لا كوريجي ويفهم فهمتوا شنو رايك وين كنتوا انا مرجعت ناخذ بوز وبعد نرجع ناخذ بوز اوكي سوبر ناخذ غادي 4 ساعه نعملوا 4 ساعة شنو رايك؟ هاي مسير نعملوا 4 ساعة ونرجع باهي اوكي
انا مثلا جوكيت وبعد نعاود جوكيت هكاك ونعاود ندخل داكور. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas ce que je fais. Normalement, si je quitte, l'enregistrement, il n'y a pas. Et voilà, donc, ok. Allez, à tout à l'heure.
Rebonjour. C'est bon, donc on peut reprendre. M'en Oui, monsieur. Ouais, c'est bien. On peut reprendre. Donc, voilà. Donc, je vais passer directement au syntaxe. Syntaxe d'un diagramme d'état. Alors, diagramme d'état Snowy. Il contient des états, il contient des transitions, des On sait événements. pas que c'est un autre partage, là. Ah, oui. D'accord. Ok. C'est bon, t'as vois. Ouais. Parfait. Ouais. Diagramme d'état, comme j'ai dit, donc en fait, ça m'a des états possibles pour un système. Ça m'a des transitions qui sont représentées par des flèches. Vous voyez ici, des flèches. Ça m'a des événements qui m'aident et des conditions de garde. Et il y a des activités à faire. Donc, pour parler des syntaxes, je vais présenter tout d'abord les états et les activités concernant les états. Alors, un état, donc un état, je vais changer de... Donc, un état modélise une phase de fonctionnement du système. Si l'état est actif, le système accomplit une simple activité, voilà, une séquence d'activités, voilà, il est en attente. En attente, s'il n'y a plus rien, il n'y a pas d'activité à faire. Si je rentre dans un état là où il n'y a pas d'activité, c'est un état d'attente. Sinon, l'état est inactif. Notez bien que dans le diagramme d'état, un seul état est actif à chaque instant. Un titre unique pour chaque état. Donc, généralement, à chaque état, on met un titre pour dire qu'il s'agit, par exemple, ici d'arrêt, ou bien de marche, ou bien, donc, en fait, tout autre, donc, état. Bien. Je passe. Alors, lorsque je rentre dans un état, il y a donc des comportements, ou bien des mots-clés qu'on trouve dedans. Entry, do, exit. Donc, entry, active slash, activité 1, ça s'appelle l'anglais activity 1. Activité 1 est exécutée dès l'activation de l'état. À l'entrée, dès que je rentre dans l'état, je vais exécuter l'activité 1. C'est une activité instantanée, spontanée. Donc, par exemple, allumer un voyant, incrémenter un compteur, etc. Il y a aussi donc le mot-clé do, do activité, à faire activité. Alors, c'est une série d'activités, ça pourrait être plusieurs, donc des activités qui sont exécutées dans l'ordre. Par exemple, activité 0, 2, activité 21, activité 22, activité 23. Dans l'ordre et je respecte l'ordre. Dans l'ordre de leur écriture, à partir de l'instant où l'activité associée à entrée est terminée. Maintenant, si je rentre dans l'état réveil, titre, je vais faire directement, spontanément, l'activité 1. Dès que je termine l'activité 1, je vais passer au mot-clé do pour faire les activités 2. Une fois que je termine l'activité 2, je vais passer à exit. Exit, ça permet de quitter l'activité, mais avant de quitter, il faut exécuter l'activité 3. Donc, l'activité 3 est exécutée dès la désactivation de l'état concerné en question. C'est une activité instantanée aussi qui met l'activité 1. Donc, entre activité 1 et exit activité 3, donc l'activité 1 et l'activité 3
ce sont des activités instantanées. Donc, par exemple, allumer un voyant ou bien incrémenter un compteur. Donc, par exemple, je quitte, je vais incrémenter un compteur. Exit, je quitte l'état et j'incrémente le compteur, par exemple. Ben, j'avance. Attention, les trois comportements, entrée, doux et exit, sont utilisés une seule fois par état. Maintenant, l'état, moi je semble entrer plusieurs fois, une seule fois. Moi je semble doux plusieurs fois, on va l'utiliser une seule fois. Exit, de même. Alors, mais il est possible de n'en utiliser qu'une partie. Maintenant, j'aimerais un ensemble, maintenant, entrée tout court, ou un ensemble doux tout court, ou un. Donc, voilà, ici, je ne vais pas utiliser tout. Et puis, si aucun mot réservé n'est utilisé, maintenant, un, comme par hasard, je n'ai pas écrit ni entre, ni do, ni exit, cela veut dire implicitement, tout ça correspond, toutes les activités que vous mentionnez dans l'état correspondent à do, donc au comportement do. D'accord? Un état vide, là où je mentionne plus rien ici, c'est un état d'attente. Si j'écris plus rien ici, c'est un état d'attente. Donc, si je résume, donc un état fait entre do et sit, pas nécessairement les trois figures, je peux utiliser une partie de ces lois ces comportements. D'accord? S'il y a plus rien, donc, en fait, c'est un état d'attente. Si je ne mentionne pas le comportement, implicitement, il s'agit de do. D'accord? Exemple. Exemple. Distributeur de billets. Distributeur de billets. Donc, une minute, je vérifie. Distributeur de billets, Tarfour, le distributeur, donc là, j'ai vraiment donné le diagramme d'état. Mais je vais mettre l'accent sur les états. Alors, si vous regardez ici, combien d'états nous avons utilisé pour décrire le fonctionnement de ce système. Voilà. Il y a quatre états. L'état 0, c'est l'état d'accueil. L'état 1, saisie de code. L'état 2, saisie de montant. L'état 3, transaction. Si vous regardez l'état 0, donc vous trouvez le comportement doux. Afficher écran d'accueil, insérer carte. Si vous regardez l'état 1, il y a deux comportements. Entrée, un doux. Entrée, nombre d'essais égal à 0. Là, je vais initialiser la variable nombre d'essais à 0 et que je rentre dans l'état 1. Puis, une fois j'ai initialisé, je vais passer à faire les activités concernant le comportement doux. Afficher écran de saisie de code. Le système, il va afficher donc l'interface concernant saisie de code. Si je regarde l'état 2, saisie de montant, il y a un seul comportement, doux, donc afficher écran. Là, je peux ne pas écrire doux, je peux écrire tout court, afficher écran. Maintenant, écran, là, afficher écran du choix de montant. Et directement, je comprends qu'il s'agit du comportement doux. Puis, la transaction, l'état 3, il y a doux et exit. Doux, afficher écran d'attente, exit, donc rendre la carte et il faut quitter l'état 3. D'accord? Je ne vais pas analyser les transitions et les événements, les conditions. Là, j'analyse uniquement les états. Il faut bien savoir lire les états et tout ce qui est les activités associées. Bien. Donc, Monsieur, avec la flèche, il y a un donc transition réflexive. Donc, je mets l'accent sur les états.
معنا احنا ان ديجرام ولا ديجرام في دي زيتا في دي ترانزيشن ديكوردو بي خليني جو باس فوالا دونك مش نحكي على الترانزيشن جو في بارلي دو دونك دو سيت ترانزيشن دونك اون فيت ريفليكسيف الو ترانزيشن deux points événement garde et effet cette transition on va parler de l'événement de la condition de garde et des effets. Une transition il y a donc est représentée par une flèche modélise la possibilité d'un passage instantané d'un état vers un autre. Alors si vous regardez les deux flèches en rouge, ce sont deux transitions. Voilà, des transitions donc, qui passent de, zéro, de l'état 0 à l'état 1. L'état 0, c'est l'état de départ. Donc, c'est l'état source. Ben, attention, il y a deux transitions. Voilà, qui... Le point de départ, c'est l'état 0. Le point d'arrivée, c'est l'état 1. Donc, pour cette transition, donc, l'état source, c'est l'état 0. Et l'état cible, c'est l'état 1. Pour la transition à droite, l'état cible, c'est l'état 0. Et l'état source, c'est l'état 1. Donc, il y a deux transitions. Alors, on appelle l'état source l'état de départ et l'état cible l'état d'arrivée. Bon. Alors, la transition n'a pas de durée. Donc, pour passer de l'état 1 à l'état 0 et inversement de l'état 0 à l'état 1, n'a pas de durée. C'est spontané. D'accord ? Sans franchissement, le franchissement d'une transition est conditionné par des événements et des conditions de garde. Il y a des conditions et des événements qu'il faut valider. Par exemple, si vous regardez ici A, A est dite donc événement. M est un événement, mais entre crochet A bar ou bien point d'exclamation A, c'est la condition de garde. Je vais parler de ça après. D'accord? Bien. Les événements, maintenant je vais parler de l'événement. Les événements et les conditions de garde et les effets sont indiqués le long de la flèche qui symbolise la transition. Donc, sont donc mentionnés de la manière suivante. Événement, si j'ai une condition de garde, c'est entre crochets, slash, effet. Événement. Par exemple, M. M est un événement. Entre crochet, A bar, c'est la condition de garde. Il n'y a pas d'effet ici. Il n'y a pas d'effet. D'accord? Je n'ai pas écrit l'effet, mais j'aurais dû en fait écrire l'effet ici. Bien. Je passe. Un événement correspond au changement d'état d'une variable observée. Si je prends A, A est une variable observée. C'est moi qui vais appuyer sur A. Et ça, c'est un événement qui va prendre donc place et du coup, ça permet éventuellement de changer d'état. Je dis éventuellement, ça dépend de beaucoup de choses. S'il y a donc si l'état A n'est pas actif, et j'appuie sur A, ça ne veut rien dire. Si l'état, je suis à l'état 0 et j'appuie sur A, ça ne veut rien dire. Mais si je suis à l'état 1 et j'appuie sur A, donc je passe spontanément à l'état 0. Et A ici, c'est un événement. Un événement n'est jamais mémorisé. D'accord ? Et est donc perdu s'il ne mène à aucune évolution du diagramme d'état. Par exemple, moi je suis à l'état 0 et j'appuie sur A. Mais une fois je relâche, cette information est perdue. J'appuie sur M, je passe à l'état 1,
mais je ne garde pas en mémoire que j'ai appuyé déjà sur A. C'est une information perdue. C'est un événement perdu qui n'est pas mémorisé. Il faut donc appuyer de nouveau si j'ai besoin vraiment de passer de l'état 1 à l'état 0. Je passe. Il est possible aussi d'utiliser des variables internes pour spécifier un événement, surtout en fonction du temps ou bien donc si je parle d'un compteur. Il y a les mots-clés « when »,« after », »,« at ». Donc, des mots en anglais pour dire donc « when », par exemple, « n » égale 3, donc « quand n » égale 3, donc l'événement apparaît lorsque la variable interne « n » devient égale à 3. Donc, j'attends à que « n » comme variable de comptage donc est incrémenté à 3, et là, je vais prendre acte. Il permet, par exemple, d'utiliser un compteur. Donc, when and there, parfois, j'utilise ça pour parler d'un compteur. After, après une durée, l'événement apparaît après une durée T, passée dans l'état d'amont. Par exemple, ici, si je veux faire fonctionner le moteur pendant 2 secondes, mais après 2 secondes, il faut arrêter. Ou bien je veux allumer une lampe pendant 2 secondes, ou bien pendant 10 secondes, qui m'a fait les couloirs, et après 10 secondes, je vais arrêter. Donc, ou bien lorsque j'appuie sur A, je vais arrêter. Donc là, je peux rajouter une transition ici, à laquelle je vais affecter un événement. Et j'utilise le mot-clé « after ». « After 10 secondes, j'arrête le système. » « At D »« At D »« At » à l'instant, à la date. À la date telle, à l'instant T, l'événement apparaît. Là, je vais me baser sur l'horloge du système. D'accord? Donc, ce sont des mots clés ou abhayin tarfon en anglais ou tenaj mutakrom tufamom. Donc, en fait, nous avons fait l'événement pour décrire un événement. Ce sont des variables internes. La condition de garde. La condition de garde est une condition logique qui m'a réceptivité fait le graphe 7. Évaluer à l'instant de l'événement. Par exemple, ici, je ne vais pas évaluer la condition de garde sans regarder l'événement, si cet événement est vrai ou non. Si M égale à 1, je vais à cet instant analyser la condition de garde. Sinon, ça ne veut rien dire. Sinon, la transition n'est pas franchie. Si j'appuie sur M et A à l'état 1, là, je ne peux pas passer à l'état 1. Donc, dans cette condition, la transition n'est pas franchissable. Donc, je pense que c'est clair. Voilà. J'avance. Bon, là, c'est un exemple. J'ai donné un exemple. Là, il y a 2 états. Sauf qu'il veut que j'analyse. Je regarde. Il y a 2 états. Mais il y a 3 transitions. Une transition, celle du milieu DC, entre crochet A0 et B. C'est une équation logique. Si j'appuie sur le bouton départ cycle, à condition que A0 est à l'état 1 et B à l'état 1, sachant que A0 et B peuvent être des capteurs, pour mentionner qu'il y a telle
effecteur à telle position. Par exemple, je veux que le virin soit rentré, l'autre virin soit donc ouvert, ainsi de suite. Donc, en fait, il y a des capteurs qui indiquent les deux positions. Et donc, j'ai besoin, pour passer de l'état 0 à l'état 1, appuyer sur le bouton 10 particles, mais tout ça, c'est insuffisant. Il faut que le capot soit fermé, par exemple, et je ne sais pas quoi, donc soit à l'état tel. Donc, il faut vérifier cette condition de gare. Ou bien, je peux passer de l'état 0 à l'état 1 after 20 secondes à condition, attention, c'est 3 soit à l'état 1, c'est un autre capteur ou bien un autre bouton. Si le temps passe et j'ai 20 secondes qui s'écoulent, là, ça ne veut rien dire. Il faut vérifier la condition que ces 3 soit à l'état 1. Je peux passer une durée de 20 secondes, mais si j'appuie pas ou bien C3 n'est pas activé, n'est pas à l'état 1, cette transition n'est pas franchissable. Mais si je passe 20 secondes et C3 est à l'état 1, alors cette transition est franchissable et ça mène quoi? Ça mène à l'état 1. Et lorsque je rentre dans l'état 1, je vais exécuter les activités associées au comportement doux. D'accord? Maintenant, si je suis à l'état 1 et j'appuie, ou bien P0, c'est un événement qui arrive, donc là, je vais basculer spontanément à l'état 0. D'accord? Bien, je vais passer aux effets maintenant, à l'effet. Donc, toujours, je parle de la transition. Un effet est une activité accomplie lorsque la transition est franchie. Lorsque l'événement donc, survient et la condition de garde est vraie, alors je vais réaliser cet effet. Cet effet, je peux allumer une lampe. Je peux faire une action spontanée, une activité spontanée. Les activités associés aux effets sont considérés instantanés, spontanés, je veux dire. Une transition peut ne pas avoir d'effet associé. Pas nécessairement que j'indique un effet, pas nécessairement, c'est pas vraiment indispensable. Pas nécessairement que chaque transition contient un effet. Pas nécessairement que chaque transition contient une condition de garde. Pas nécessairement que je mentionne effet. Événement, garde et effet. Parfois, j'ai une transition tout court. Et cette transition est franchissable spontanément. Monsieur? Oui? Je ne sais pas si effet ou qu'on peut entrer, par exemple, dans l'italien. Bravo. Bravo. C'est une bonne question. Allez, attends, face à Ramle. Alors, je passe à Ramle tout de suite. Ben. سؤال متاعك هو سيبايسي 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 ألوش ألوش إيه تحيط إيش نقالك شي حاجة تجي من مقابلة بيه فهمت السؤال متاع زميلكم ولا؟ زميلكم قال تراه نرجع للإكزامبل متاع هذايا تراه نجي لهنا ولا به به Votre collègue, قال, ben, si je prends cette transition, qu'est-ce qu'il y a comme événement? Insérer carte, la condition de garde,
carte valide, d'accord. Voici les cette transition franchissable. Je rentre dans l'état 1. Lorsque je rentre dans l'état 1, je vais exécuter l'activité associée à entre. Nombre d'essais égale 0. Est-ce que je peux écrire autrement ce diagramme? Si on écrit entre nombre d'essais égale 0, est-ce que je peux écrire nombre d'essais égale 0 comme étant effet? خمسة شوية متى زميلكم ولا؟ هل كان مثلاً شنو الفرق؟ ما فهمش فرق. D'accordo. Si vraiment je me sens pas obligé d'écrire ici nombre d'essais égal 0 et je peux l'écrire ici, je vais l'écrire. Et les conséquences sont les mêmes. Un cas qui m'inquiète ici. Faut vraiment voir cette transition réflexive. Réflexive et riche, Manata. Je vais sortir de l'état 1 et je vais revenir à l'état 1. D'accord? Très essayant de lire des choses ici. J'ai inséré une carte et ma carte est valide. Donc là, je vais, venir sur le système, il va prendre la variable NB et il va l'initialiser à 0. Qui me code le crawl, n'est-ce pas l'écrivain avec en tant qu'effet de transition heavy. D'accord? Bien. Et je passe directement à 2. Bad, on a initialisé. Je vais passer aux activités associées au comportement 2. Alors là, je vais dire afficher écran de saisie de code. Je vais charger l'écran pour saisir le code. D'accord? Alors. Ben, je pense que ça marche, monsieur, ça marche. Je peux écrire ici slash NB et C égale 0. D'accord? Je pense que j'ai bien répondu sur ta question. Maintenant, essayons d'analyser l'écriture de la mojo d'Andy. Donc, c'est un exemple. Je ne vais pas changer. Donc, il va m'afficher l'écran de saisie de code. Comme par hasard ici, j'ai raté le code. J'ai introduit. Donc, un code donc, qui n'est pas correct. Alors, je me suis collé. Là, je vais établir le code. Donc, là, saisir code. Code erroné. Nombre d'essais égale nombre d'essais plus 1. D'accord? Là, oh, il va m'afficher l'écran. Ouais, je vais introduire saisir le code. À condition, si le code est erroné, regarde bien, si le code est erroné, alors comme il fait, sauf là, comme il fait, le nombre d'essais égale nombre d'essais plus 1. Je vais incrémenter. Et lorsque je traite comme activité spontanée, nombre d'essais égale 0. J'aurais dû l'écrire ici. Donc, j'ai affiché l'écran. L'utilisateur il va introduire le code. Il faut que le code soit correct. Si le code est correct, donc c'est bon. Je peux passer. Si le code est erroné, je vais donner une deuxième chance. Je vais incrémenter le nombre d'essais. Donc, nombre d'essais plus 1. Il va encore. Donc, non, tu as raison. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça c'est faux? C'est Mishkaou de Tralia de Rajah à zéro. Très bien, bravo. Donc, l'ENA c'est faux. Mais là, je connais est-ce qu'il y a équivalence. Donc, voilà, donc merci pour cette question, vraiment. Donc là, lorsqu'on analyse, l'ingénierie, donc c'est comme ça. La solution existe. Tu essaies de chercher donc la solution. Mais donc là, je suis pas d'accord vraiment. Je suis pas d'accord. Je préfère corriger. Donc là, si je corrige, je vais écrire ici. Lorsqu'il va donc rentrer ici, il va initialiser Majdit 0. Donc, comment je corrige ça?
حسب الباجاج اللي تعرفوه تو اكم وليتو ما شاء الله عليك ايه لحظه نصلح بالستيلو خير صلح بالستيلو جوي هات نصلح بالستيلو وين الستيلو به هنا دونك جوي سي نعم سلاش ان بي اس سي ايجال زيرو هنا هذه مش نحاها دونك افيشي اكران Maintenant, je vais saisir le code. Il faut que, à condition que le code me connaisse erroné, donc c'est bon. Ou le nombre d'essais égal nombre d'essais plus 1, ou le nombre d'essais, il va passer ici. Si j'ai introduit le code et mon code est correct, je passe ici automatiquement. Voilà. Si j'ai saisi mon code et le code est erroné, il va me donner un deuxième essai. Oui, Audi Arza. Il y a fichu de Mujdid l'écran. Si j'ai fait une erreur, je vais me donner encore un deuxième essai, un troisième. Si le nombre d'essais est égal à 3, il va avaler la carte. When? When? Nombre d'essais égal à 3. كم إفي أفالي لكارت ونخرج لهنا وكانو شيء لم يكن ونخليه هو دونك جو في أفيشي من جديد لكران داكوي بور دوتر لتيليزاتور سي لو كود إفري دونك جو في باسي عاليتا دو ونقول جو في أفيشي لسيستم لهنا قلت لسيستم تفا أفيشي لكران بور لتيليزاتور بور choisir le montant natif des choix. Donc, Lena, il va choisir le montant, demander l'autorisation comme il fait. Lena, donc, transaction affichée écran d'attente, ou direct, M. Ati, écran d'attente. Bon, c'est ça, il y a des chats. On va exit, rendre la carte. Si l'autorisation est OK, je vais, comme il fait, délivrer les billets. Si l'autorisation n'est pas OK, donc je vais pas délivrer, je vais pas faire d'effet, je vais passer directement à l'état zéro. Ben, quand on fait un fichage, on peut entendre l'informatique ou l'algorithmique. Hein? Je peux vous donner un problème. اي انتم vous êtes 31 كل واحد يعطيني سوليوشن مش ضروري الالغوريثم دو اكس هو بيد الالغوريثم دو واي دونك هنا راهو سي كيف كيف سي تان الالغوريثميك وتعرفوا هذا ديجرام ديتا يتيليزي جينيرالمون في لي لانجاج دو بروغراماسيون لي ام ال دونك ان فيت في الانفورماتيك و دونك با نيسيسيرمون راهو نجم لو بروبليم لو ميم بروبليم نلقى فيه دو تروا سوليسيون بوسيبل داكوردو دونك هو بيد لو بروبليم لهنا كو جي بريزونتي كوم اكزومبل دونك اون بو تروفي دوتر سوليسيون بوسيبل به على كل سي بون جيسبر كو سي كوم ميم وضحت الامور حاجه اخرى نحب نطمنكم بها راهو في الكونكور كي نلقى انا بيدي دياغرام ديتا النجم نقعد كيفكم انتم نحاول نفهم ونحاول نقرا ونسيت سويت وجو شيرش كيسك اللي وراه ابري كيسك جاي سي دونك تيان جي فو فير سوسي فير سولا فهمتوا ولا ماشي معناتها راهو يتا دوموند شويه تركيز شويه وقت وزيت كابابل دو فير سي بون جافونس الو انا وين وصلت سؤال سؤالي لزميكم هو اللي خلاني نرجع للإكزامبل هذاك جيسبر زميكم يتكلم سي بون واضح مسيو بارفي سوبر الو لا كونديسيون دو غاز هي كونديسيون لوجيك فاليا على الانستون دو ليفينمون هذا حكينا عليه ثاني في اون اكتيفيتي اكومبلي لورسك لا ترانزيسيون اي فرانشي Les activités associées aux effets sont considérées instantanées. La transition peut être
avoir, peut ne pas avoir d'effet associé, c'est bon. Alors, quelques situations couramment rencontrées. Nalkaw. L'état 1, flèche, événement tout court. Moi, je vais avoir une condition de garde ou l'effet. À l'occurrence de l'événement, la transition est franchie sans condition, à condition que l'état 1 soit actif. Quand l'état 1 est actif, à l'occurrence de l'événement, la transition est liée, le flèche vert est franchie sans condition. Toi, l'état 2 actif, je vais voir les activités associées à l'état 2 pour donc voir qu'est-ce qui se passe exactement pour mon système. Un des états 1, flèche tout court, l'état 2. Là, il n'y a ni événement, ni condition de garde, ni effet. La transition est dite automatique, spontanée, automatique. Elle est immédiatement franchie s'il n'y a pas d'activité associée à l'état 1. État d'attente. Maintenant, l'état 1, il n'y a rien dedans. C'est un état d'attente. Directement, je passe à l'état 2. Franchi dès la fin de l'éventuelle activité d'où de l'état 1. Et dans l'état 1, d'accord, il y a donc des activités associées à d'où, donc je passe à l'état, c'est est franchi, la transition est franchie. Ben, situation l'ochrine. Dans l'événement, condition de garde, à l'occurrence de l'événement, si la garde compte est vraie, la transition est franchie. Sinon, l'événement est perdu. L'événement n'est plus mémorisé. L'événement, ou un état actif, ou une simple condition n'est pas vraie, tac, l'événement est perdu. L'état A, condition tout court, état 2. Si la garde quand est vrai, la transition est immédiatement franchie s'il n'y a pas d'activité associée à l'état 1. Franchie dès la fin d'éventuelle activité d'où de l'état 1. Donc, je pense que c'est clair. Voilà. Une transition réflexive. Entraîne une sortie de l'état, puis un retour de l'état. Avec appel des éventuelles activités associées à exit et entrée. Donc, l'ENA, bien sûr, un état activé, désactivé, elle reste immédiatement active. Donc, enfin, l'ENA, lorsque je vais sortir, je vais passer par le comportement exit et je vais revenir au comportement entrée qui m'a tout à l'heure, donc en fait, je vous fais l'exemple d'un état distributeur de billets. Plusieurs transitions peuvent quitter un même état. نجم تكون إتاب فأما عندك لهنا سيلكتيف ما ينجمش نمشي في الزوز dans les deux sens. Une seule d'entre elles doit être franchissable à un même instant. في نفس الوقت ما ينجمش يكون الزوز وإذا ما تكون la condition de garde تكون سيلكتيف ما أنت يهيب يهيب ما يكونوش مع بعض. مثلا نجم نقول لك لهنا لحظه برك ما انت سيلكتيف مثلا عندي سي A A B هنا A A B با انت هذا مستحيل يصيروا مع بعض فهمت هذه انت مفيه ولا Alors, pseudo ita. Bon, tout à l'heure, j'ai comme le diagramme est vert. Donc, on dit un pseudo ita. Là, que je trouve là, on a un ita avec le point noir ou cercle. Donc, il n'y a rien dedans. Donc, en fait, c'est des machinomes. Ça, c'est quoi? Ce sont des pseudo ita, ça, moi. Des pseudo ita. Pseudo ita. Un pseudo-état est un état ne pouvant pas avoir d'activité. Il n'y a plus rien dedans. Femme état, pseudo-état initial, pseudo-état final.
Je dois état initial. Unique et obligatoire, il est activé au lancement de la machine à état et marque le début de l'exécution du diagramme d'état. Il n'a aucune transition entrante. Transition, dès que je vais mettre le système en marche, il sera activé. L'état t'emchira directement la transition. Pseudo état final, c'est optionnel, moi aussi obligatoire. Il signe donc la fin de l'exécution du diagramme d'état. Ça y est, le diagramme d'état est arrêté. Il n'a aucune transition sortante. Alors que là, il peut y en avoir plusieurs, car différents scénarios peuvent être possibles pour mettre fin à un diagramme d'état. Système pour plusieurs scénarios, erreur de fonctionnement, donc plusieurs scénarios, d'accord? Plusieurs sorties, mais c'est pas obligatoire, c'est pas exigible. Bien. Pseudo état jonction. Pseudo état jonction, ça a pour simplifier l'écriture, nous sommes le pseudo état jonction qui factorise les conditions de franchissement de transition, en particulier des gares communes à un événement, afin d'aboutir à une notation plus lisible. Maintenant, ce que vous voyez à gauche et à droite, ça représente la même chose. Ça se voit qu'à droite, c'est plus joli que celui à gauche. Maintenant, dans la chambre, E1, condition de garde, A soit supérieur à 0 strictement. Donc, AND B soit inférieur à 0. Maintenant, E1, A supérieur à 0. AND B égale à 0. Ou maintenant, A supérieur à 0. AND B supérieur à 0. Ou maintenant, A, A supérieur à 0, A supérieur à 0, A supérieur à 0. Je peux mettre en facteur cette condition de garde. E1, A supérieur à 0. Mais par la suite, je peux passer à l'état 3, ou bien l'état 4, ou bien l'état 5, ça dépend des conditions de garde. Aussi, ici, si vous voyez E2, l'événement E2, vous avez ces conditions de garde. A supérieur à 0 et B inférieur à 0, A supérieur à 0 et B égal à 0, A supérieur à 0 et B supérieur à 0. Là, je peux factoriser ces conditions de garde. J'espère que c'est clair. B. Aussi, il y a la pseudo-état décision. L'ENA est utilisé pour une sélection de séquences exclusives. Yani, if condition else. Alors, vous êtes à l'état 1. Si l'événement survient, je vais décider. Si la condition de garde est vraie, je passe à l'état 2. Else, je passe à l'état 3. Il n'y a pas plusieurs choix. C'est exclusif. If condition else. Alors, diagramme d'état, la démarche de modélisation d'un système à événements discrets. La démarche suivante est fortement recommandée pour modéliser le comportement séquentiel d'un système. Tout d'abord, vous recensez les variables d'entrée et de sortie. Deuxièmement, vous recensez, nommez les différents états du système. Identifiez les activités associées à chaque état. Troisième point, identifier et tracer les transitions possibles entre les états en fonction du comportement séquentiel souhaité ou observé. Quatrième étape, définir les événements et les conditions associées à chaque transition et qui autorisent son franchissement. B. N avec ce que j'ai présenté, pour le moment, vous êtes capable de répondre à la question proposée par le concours MIMPAN.
تراه خليني نمشي تراه بدوس ما هذايا عطاكم الديجرام دي تا هذا تماشي حاجة ما كنتش فاهمينها لهنا شعليه ما انت دي كوا ساجيتيل تو سا شعلينا فيه اون فيرا بيان دي كوا ساجيتيل اتون شوفوا اللي نونسي لكن انا كي نخزر الدياجرام دي تا هذا فماشي سيمبول ما نعرفوش فاشون كو فما حاجة ما تعرفوش نستنى شكون يلمي لو بوان دوسي ها مسيو هاكم الفلاس شنو ما صحيح برون مونتون الفلاس هذا هو اللي حاجة حبيت نسمعه منكم تقول لي مسيو الفلاس هذاك شنو الفلاس هذايا هو فرون مونتون بشوف انا كي ناخذ الكرونوغرام بهريت لهنا هذا فرون مونتون جو باس دو 0 ل 1 هذا فرون ديسوندون جو باس دو 1 ل 0 هذا فرون مونتون هذا فرون مونتون فهمتي يعني لهنا على انستون دي باساج دو 0 ل 1 على انستون دي باساج دو 0 ل 1 دو ديب لوسك ديب باس دو 0 ل 1 Et si la condition de garde associée est vraie, attention ici, auto et post-ini, apparemment position initiale, est vraie. Et si je suis à l'instant, maintenant c'est instantané, je vais regarder ça. Je ne vais pas regarder ça. Je vais regarder ça à l'instant du passage du 0 à 1. C'est bon, fais-toi, voilà. ايوه vous êtes là كي نعمل هكا فليش vers le bas c'est front descendant à l'instant du passage de 1 à 0 ده لهنا قداش عندي من نيتا عندي مشى لي زيتا انيسيال هكا الفينال يتحسبوا هذاكم ديب زودو ايتا قلنا ديب زودو ايتا دونك مش تقول لي 4 ايتا ترو 4 عندي ايتا داتونت روتور اون بوزيسيون انيسيال مود مانيوال بي اي جو بونس بوزيسيون انيسيال مود مانيوال مود اوتوماتيك ب لهنا الدياغرام تفهموه كمان ردوا بالكم لهنا كومون لير ان الكرونوغرام الكرونوغرام لهنا عطاكم بار اشوف لهنا قال لك هذه اون سكوند دو سكوند ترو سكوند تو سا عطاك الوقت بالسكوند ردوا بالكم لهنا راهو ثم بليزيور فاريابل معناتها لهنا باردون اسبيان بليزيور فاريابل يزم تعرف كل واحدة هذه بالنسبة للوتو هذا زيرو هذا آم بالنسبة للمانيوال هذه زيرو هذه آم خاطر تغلط شوية ما تدخوش مثلا لهنا دو تري ما تدخوش فيها هذا ما دو تري لا بوزيسيون انيسيال سي زيرو لا ستاند باي آم اش معناتها ستاند باي ستاند باي معناتها اتونت روبو شنو هي ستاند باي روبو نسأل بالحق خاطر ستاند باي اتونت جو بونس معناتها اش قلت أي أتونت مسيو أتونت بيه نردو بيكم الدخول عادة بيه أي سيديا مش نحاولو أنسامبل
جاوب على الدنيا هذه. هاي تراها توا انا مش نحبس هنا ومش نمشي نجيب لكم الكونكور ونبدا نقراكم في اللي نوصي. تفهموا انا علاش جاي بوكو انسيتي يعني خاطر الحقيقه نتسمو خدمنا باهي لكن سي جافي اكثر وقت كنا نجمو نخدمو اكثر برشا حاجات. Mais c'est pas méchant, ça va, vous avez donc les compétences nécessaires pour faire beaucoup de choses. Ben, vous avez le temps. Vous avez maintenant à votre disposition, vous avez tout le bon et tout le moment. Je vais garder à la colle, si vous êtes d'accord, des vendredis qui m'a fait quand même des compliments à faire. Et voilà, je suis là. بون هو سيستم انا ما نعرفش خدمتو عليه ولا لا هو ابارامون تاع مانيبيلاتور فيستو هاكا كيفاش يخدم لهنا عندي ان موتور دوزيام موتور با سينكرونيزي ابارامون يا دي ولي ان كروا كرونتي هذا شاريو هذا مش يحط فيه ابارامون هنا فيسوس شفت فيسوس pour déplacer le chariot avec dans les deux dans le plan apparemment dans le plan avec méthode avec traverse un elle se translate dans ce sens ou le chariot se translate dans ce sens et du coup on peut atteindre tous les points dans ce plan je pense. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Il y a 1 2 3 4 5 6 7 8 8 poulies. 8 poulies, donc en fait, pour commander ça. B. Alors, quel cahier de charge? Il y en a le manipulateur, muni de l'axe Z, sur lequel est adaptée la visseuse, est intégré à un ensemble de production. Pour être sûr que les opérations de vissage se déroulent sans problème, de manière à ne pas perturber la cadence de production, le client attend que le manipulateur respecte le cahier de charge partiel reporté dans le tableau suivant. La précision de positionnement de chaque vis doit être suffisante, niveau inférieur ou égal à 5 centièmes de millimètre, le dépassement nul, zéro. La visseuse doit être se déplacée dans un temps compatible avec les cadences de production, temps de dépassement d'un point à un autre, temps de déplacement d'un point à un autre inférieur à 2 secondes. La société Festo a par ailleurs défini un cahier de charge général du manipulateur transversal à son implantation dans une quelconque entreprise. Figure 4, réveille des grammes des exigences, fit cahier de charge. Bref, la description du manipulateur, tout ça, c'est là. Établissement de la logique de commande. Là, on a la logique, sauf que la logique séquentielle de commande. L'objectif de cette partie est de vérifier que la commande, la logique de commande respecte bien certaines exigences du cahier de charge. Là, je ne vais pas vraiment travailler beaucoup sur ça, mais je vais plutôt travailler sur le diagramme d'état. La sécurité des biens et des personnes nécessite d'imposer des exigences particulières à la commande du manipulateur. Certaines d'entre elles sont reportées dans le tableau suivant. Le mode automatique ne peut être enclenché qu'après un retour en position initiale. A priori, ça c'est indispensable de comprendre ça. Accès au mode automatique par action sur le bouton poussoir DEP. Bon, là, ils ont la turquise. Donc, accès au mode automatique par action sur le bouton poussoir DEP. Si j'appuie sur DEP, je vais passer directement au mode automatique. Mais le mode automatique ne peut être enclenché qu'après un retour en position initiale. Une opérant tant que le manipulateur n'est pas en position initiale. Voilà, c'est ça le niveau. Tout ça, il y a une pour mettre en place le diagramme d'état ou bien le chronogramme demandé. Donc, l'exigence suivante. Sur demande de l'opérateur, quelle que soit sa position courante, le chariot doit retourner en autonomie à la position initiale. Sur demande de l'opérateur, si l'opérateur demande
Donc, au chariot de revenir à la position initiale, donc quelle que soit sa position courante, le chariot retourne en autonomie à la position initiale. Retour du chariot, critère, retour du chariot en position initiale par action sur le bouton poussoir, retour position initiale, RET PI, uniquement à partir d'un état d'immobilité du manipulateur. Ben. Alors, description du processus normal. Le fonctionnement normal du manipulateur décrit dans le diagramme d'état reporté sur la figure 5, voilà, comprend les états suivants. Attente, le manipulateur est sous tension et immobile. Voilà, il est sous tension. Il est plutôt état initial. Il est sous tension. Mode manuel, l'opérateur peut commander directement chaque axe motorisé. Mode manuel, l'opérateur qui commande manuellement. Mode automatique, donc le manipulateur répète en continu, donc en fait le processus de vissage complet. Retour en PI, le chariot du manipulateur revient en position initiale. La description des variables logiques est reportée dans le tableau 3. Les variables logiques, la somme des variables logiques, post, in, auto, manu, sont des boutons. Ah, c'est bien. Post, in, manipulateur en position initiale, la heavy, la variable. Profil V précise la loi de commande des moteurs. V maxi, V mini, V manu, vitesse choisie par l'opérateur. Auto, vitesse déterminée par logiciel, bon, par automate. Prog, RET, PI. Exécution du programme de retour en position initiale. RET, PI, retour en position initiale demandée. Manu, mode fonctionnement manuel. Auto, mode fonctionnement automatique. Le choix du mode de fonctionnement est réalisé par un sélecteur à deux positions stables. DEP, départ en mode automatique. Stop, arrêt demandé. On estime à 3 secondes la durée fixe de l'ensemble des opérations commandées par le programme de retour en position initiale. Complétez sur le document réponse le chronogramme indiquant les états successifs. Conclure quant au respect de l'exigence. به دیاگرام هو هذا كما قلت لكم هاو دیاگرام هذا فهمتوا بون انا جو بونس نعطيكم وقت تخمموا ولا نخليكم انتم تخدموا وحدكم ولا شنو تحبوا نخدموه مع بعض شو خلينا نخدموه وحدنا أنا أعطيكم كوريجي أنت يا ورا. إيه. إيه، أي، أوكي. إيه، شوف أنا مش أقول لكم حاجة. أنا ما كملتش بزيل أن كومبليمون. فهمتوا؟ كومبليمون تاو فهمتوا أنتم تنجموا تفهموا. ديجرام افيك إيتا كومبوزيت. كيما الفونكسيون. عندي الألغوريتم برانسيبال والفونكسيون. فهمتني؟ هو في عوض باش نجريديج كوم سا جوفي. Utiliser ça comme ça. Je mets des lunettes ici pour dire c'est attaché à ça. Donc, je vais partager ça. Diagramme d'état avec état composite. Juste des explications si jamais. Juste là pour vous montrer des explications. État composite orthogonal. Kima divergence et convergence et Nejmo Badlan par synchronisation fork ou joy. Heavy divergence et heavy convergence et ou pratiquement à chaos. Donc, heavy, je partage avec vous. Je n'ai pas comme TD. TD, je pense que je l'ai présenté ici. TD fait la barrière automatique. C'est un chronogramme à compléter. C'est un port de garage basculante. C'est un chronogramme à terminer, faire un diagramme d'état à faire. Ou comme elle est tourniquet d'entrée de métro. Elle est en train de faire un tourniquet pour que je m'instruise.
لا فوقكم وقتاش تجي وقتاش تخش هذا نعمل لكم هذا فهمت دونك هذا جو في بارتاجي جو في بارتاجي وفي لو كوريجي معاكم اما عايزكم نخدموها باهي فهمنا ولا باهي مسيو باهي بعثنا الكور هي هذا مش نبعث لكم هي الكور هذا الكور هذا هو عملت هكا انا عملت كور وينو عملت جلي انريجستري اون في سي بي دي اف باهي انا جو 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 بارتاج الكور هذا مش نبعث لكم كامل داكوردو باهي مي جو في بارتاجي اون بي دي اف جو بونس تحبوا هذا اكزاكتومون التخربيش اللي عملته كله خليها كيكا اي مسي خليها كيكا خليها كي باهي تو نسجلو كي وانا بس دونك توا انا انتم مش تخرجوا وانا جو في بارتاجي هذا الكل باش ما ننساش مسي بعث لنا البي دي اف وبعث لنا هذا باش تقعد عندنا كوبي نظيفه وكوبي هذه اللي كتبنا فيها البي دي اف وانا بعث لكم هذه اللي مش نراجعها كم بي دي اف زاد بالكش انتم تحبوا تستعملوا بالتليفون واحد تلقاه خير معناتها بالباوربوينت ما تحلكمش بالكش التليفون نعمل لكم بي دي اف هكا تحبوا شوف استنى شوي اذا كان هذه تعجبكم سي بون سي بون لحظه برك شي انريجستري سو هكا بي دي اف استنى لا 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 هذه فيرسيون دو اللي هي فيها تخربيش هكا تحب ولا اي لحظه برك اصبر عليا شويه اللي هيجيك لحظه برك انا وين توا لا لا باش نحكي انا نحكي في حكايه برادة هكا المساج تعدى في السيستيم ايفينمون ديسكري ان شاء الله ان شاء الله انا كنت متحير عليكم شويه في الحكايه هذه الحقيقه وتوا جيمسون ان شاء الله لاباس اذا تكملوا تخدموا لي سيجي مش مدهم في الباهي انا وين توا انا وين قرر لا لا سيد ثابت انا وليتم نصبت عندكم هذا هذا هو الكود اللي كنت نضيف لحظة برك هذا لا لا لحظة برك بالله لحظة لذا أنا دخلت مش فاهم هذا وين يقعد يسجل سيستيما إذا ما ديسكريت في البيرو اس اي بس جو سوي ديريكت أنا دخلت طبعا اس اي بس إلى لا جيتكم لهنا على قاعدة نهز ونفضل هذا هذا واحد انا هذا هذا اون بي دي اف هذا اللي كنت قاري فيه ما فيش واحد شيء نظيف باهي وانتم توا تحبوا على الاخر اللي سميته انا دو هذا باش شوف ترى هذا هو اللي حجت بيه ها تسا هكا سمارس ها هاي مسيو اخي دكتور دونك جو في بارتاجي سي دو فيشي افيك لو تي دي افيك لو كوريجي سوبر هاي ميرسي مسيو هاي ربي معك بون كوراج هاي شكرا ميرسي مسيو